C'est bon, vous pouvez parler. Bonjour tout le monde, c'est AlexYuki et Aankara et Jantoni. Ouais. Incroyable. Attends, yes. Aankara qui veut pas parler. Ouais. Non, non, j'avais pas envie. Là. Il a pas parlé, donc il parle pas. Voilà. Ah non, voilà. Mais... Mesdames et messieurs, nous sommes en Rush Duel. Nous sommes là pour un live Rush Duel. On va rush go rush, les gars. Par contre... Ah d'accord, je vais affronter le Janto en premier, apparemment. Bah, peut-être, écoute. Je vais... Moi, à tout moment, je peux aller dans le spec. Tout moment. Non, moi, j'ai envie de faire un duel. J'ai envie de commencer le duel. Moi, à tout moment, je peux vous trouver. Genre, voilà. tu sais que t'as l'invitation sur Discord. Sur Discord. Non mais tu sais que je suis même pas allé en fait. Tu sais ça, que la technologie suis un... Aankara. Non, mais, oh là là, rejoindre le groupe. Et oui. Et donc du coup, ce soir, on va se faire plein de duels, de rush duels pour vous montrer à quel point ce mode est drôle. Mais bien sûr, on va faire un duel d'animé. Comment ça, tu joues pas avec 40 cartes? Ça me choque. Janto, tu me choques. Je suis à 41. Et alors? Tu vas faire ça. en vrai, ça va être trop bonne strat. Hein. Il joue la meule. Exactement. Alors... Il va avoir la roue du cauchemar. Ah non, ça c'est le speed duel, pardon. Bah, surtout que là, je teste ce deck-là. Donc, on va voir. Ah, moi, j'ai des decks. Non, j'ai des decks normaux. Genre, on tentera la prochaine fois d'avoir des trucs conceptuels. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer Samanzerodo. Tour 1. J'active l'effet. Pas mal ça. J'aime pas. C'est possible aussi pour nous de vous affronter. Je ne sais pas si on aura le temps, mais en vrai, c'est pas impossible que. On fasse ça à l'avenir. Ouais, qu'à l'avenir, même moi, je fasse un live solo où je vous affronte, ou alors il y aura moi plus un invité au lieu de 3. Là, on est les 3, on va en profiter pour s'affronter tous les 3. Exactement. Et regarde, c'est les cartes qui ont été présentées lors de l'épisode précédent, je crois. Oh là là, mais cet homme qui spoil. Quoi? C'est foutu. Oh là 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 là. Ça, c'est plutôt. Attends. Ah ça peut être un peu chiant ça hein. Bon, on va quand même devoir faire ça, hein. C'est pas grave. Invocation normale du magicien là. Donc je peux envoyer une carte depuis ma main au cimetière et je mets ton monstre en mode défense. Et je vais peut-être... Ouais. Ah, je vais faire ça. Yes, mais mon monstre en plus il a que 1500 points de défense, ça me saoule. Et du coup contrairement à la dernière fois où on faisait des duels sur... comment ça s'appelait cette chose? Dueling Book. Là, au moins, on est sur... EDOPro. Sur une EDOPro et c'est automatique. C'est mieux. Oui. C'est tellement mieux. Oh là, mais j'ai tellement eu les meilleurs combos en vrai. Alors par contre, tu viens de perdre 400 de dégâts. Non, parce qu'en fait, il a sa piège en fait. Il a sa piège. Ah. Sa piège au cimetière. En fait, il peut. Enfin, attends, coupe. Non, elle s'active pas au cimetière, ta piège, non. Non, les cartes pièges s'activent sur le terrain, en fait. En fait. Ah, mais on aurait pu. Non, mais mec, on est dans un monde quand même où il existe des cartes pièges qui s'activent depuis le cimetière. Ouais, le tornado. Notamment, même sur des. Alors, on pourrait imaginer dans le rejet aussi des cartes qui s'activent depuis le cimetière. Oh. On pourrait imaginer. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai qu'on l'a pas expliqué, mais le rush duel, on peut invoquer, faire des invocations normales autant qu'on veut. Hein. Regarde. Et sur EDOPro, ouais, on me confirme dans le chat que c'est bien meilleur. Oui. Oui, je le sacrifie. Mince. Mais lui aussi il possède magicien. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais activer l'effet de mon magicien, je défonce une carte pour changer la position de combat d'un de tes monstres. En vrai, j'aurais pas dû faire... Bah, ouais, j'avais pas envie de mon magicien. Non. Michel s'en fout, c'est... Ça me fait pas grand-chose là, effectivement. Je vous dis... C'est un board très facilement passable, ça, monsieur. Ah, ouais, pour l'instant, on n'a pas eu nos gros monstres. Si, j'ai eu mon magicien. Oui, tu vas peut-être un peu grid sur le tour 1. On va... voilà. Personne ne grid sur le tour 1. Après, ce qui est bien, bon, on s'en rend déjà compte, si vous connaissez le rush duel, vous le savez déjà, mais ce qui est bien, c'est que vous voyez qu'à chaque tour, vous reprenez le board. Et ça, ouais, c'est trop bien quand même. En vrai, par rapport aux autres formats où, genre, tu peux te retrouver dans une situation, bah, t'es sûr que même si tu top deck, tu peux pas remonter. Là, c'est un format où t'as la possibilité de remonter à chaque fois. Et ça rend les parties plus marrantes, en vrai, puisque t'as des retournements de situation. Là j'avais l'avantage. Boum. Là, Janto, il va m'ouvrir. va m'ouvrir tout de suite. Faut vite fait quoi. Donc il a ça, il défausse 1 pour baisser l'attaque de mon monstre. Quel est le 800 700. Oui. Allez boum. On détruit ce monsieur, mais par contre il reste quand même l'autre monstre mon attaque quoi, qui est un peu bon. Moi je me méfie un peu hein. Mais tu as un piège. Ah ah. Il a eu son Ace Monster. Normalement. Détruis-moi cette force miroir. Oh. Pas très très grave. Hein. Force miroir avec mon dragon. Oui. Oui. Ouais ouais mais c'est qu'un détail. D'accord. C'est qu'un détail. Ok. Pas de soucis. On va le poser, je vais poser, je vais... Mais ça fait beaucoup de pièges ça. Mmh... Je vais battle phase. Ah non, il n'y a pas d'invocation lien dans le rush duel par contre. Ouais, on se calme. Est-ce qu'il y a un Discord ou un truc du genre? Est-ce que j'ai un Discord? Oui, il y a un Discord. J'ai un Discord qui est juste en dessous du live. Et vous pouvez même parler de rush duel là-bas. Et parler des illustrations de rush duel. Un pays libre. Oh, ça peut être incroyable ça. Bon déjà on va activer la meilleure carte du format. Hop. Ah ok. Le deg. Bah, c'est bien dommage. Ah. T'as tapé dans la mauvaise carte. Eh parce que ça c'est bien sur le rush duel, tu veux set toute ta main en fait pour pouvoir redraw autour d'après. Genre tu gardes vraiment que ce qui est utile quoi. C'est vraiment dommage. Ah je peux faire un truc mais ça a pas marché parce que je pourrais pas attaquer mais bon. Tant pis. Okay. Tant pis. Tant pis. Il faut contrôle le monster. Et bah tu invoques le... Je vais pas invoquer l'autre. Upsetter. Oh ok. Oh là là, mais non. J'active quand même. J'en ai rien à foutre. Voilà. Ah bah ça c'est bien dommage. Je passe en battle. Oh non, je ne peux pas attaquer. Pourquoi tu peux pas attaquer? Je crois qu'il y a un effet qui me dit que les monstres level 6 ou plus peuvent pas attaquer quand je fais ça. Les monstres level 6 ou moins ne... Ah, ou moins. C'est que les monstres level 6 ou moins. Okay. Là, moi, sur mon écran, je te vois attaquer. C'est oui. Un effet marrant quand même. Du coup, ça aussi c'est marrant, je trouve. Ouais. C'est pas très marrant ça. Pas... Du coup, j'ai visé la mauvaise carte, ça me fait un peu mal quoi. Donc là, la carte que j'ai activée, c'est la force de miroir du deck magicien. Genre, je renvoie 4 magiciens de mon cimetière dans mon deck pour détruire tous ces monstres en position d'attaque. Donc, j'espère que tu t'amuses. Je vais renvoyer tout ça. Pas très fort. Ouais, c'est pas très fort quoi, finalement. Hop, j'active mon effet. Non. Alors, bon, maintenant, il faut que je fasse 6500 ce tour-ci. Oh. Bah, là, s'il faut. Seven's Road. Yes. Ah non, lui il va pas marcher. Oh punaise. Bon. Ah, mais il a pas la force de miroir dans l'animé, je comprends pas. Hein. Enfin, je sais pas encore. Il l'avait. Mais il se l'a fait péter. Il se l'a fait péter, non? Ouais. Spoiler, c'est ban. Ouais. Ah, bah tu vas détruire un truc qui servait à rien. Ouais. Merci. Hop. En fait, je me suis rendu compte que 80% du temps, si t'as pas de carte en main, même si c'est un piège, tu pourras pas l'activer. Genre... Ouais, c'est un peu ça, il y a tellement de trucs de défaut. Oh, mais c'est le vrai Kuriboh. Ouais, c'est le Kuriboh. Mais double Kuriboh. Sacrifice, dragon blanc, yeux. Et j'invoque Yamero Ruler. Ah, voilà. Yamero Ruler, le Ace Monster du meilleur personnage de l'animé. On est d'accord. Donc j'active son effet, je peux changer sa position de combat, et du coup le prochain tour, Jantoni ne peut pas invoquer de monstre de niveau 7 ou plus. C'est complètement fumé. Non mais dans ce format, c'est vraiment pas dégueu, puisque genre c'est vraiment les meilleurs monstres niveau 7. Heureusement, mon deck joue que sur le perse défense, donc ça va. Donc c'est... Endphase. Qu'est-ce que vous racontez? Le jeu est sorti avec force de miroir déjà, donc c'est pas la même, c'est la même évolution. Spoiler Aankara, je suis qu'à l'épisode 3 de Sevens. Mais il faut regarder les sous-titres anglais là. Alors, VOSTFR, ça va quoi. Alors, à un moment donné. Hein. Alors, déjà, d'une part, on active son petit effet, on va peut-être un peu réduire sa défense. Non. Voilà. Puis après, on invoque et puis on va peut-être aussi réduire sa défense. Oh là 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 là, le poste. Votre adversaire attaque, détruisez tout le monde en face. Face up pour envoyer toutes les cartes de votre cimetière banni. Face up, refusez 1000 par carte. Calme-toi aussi, c'est pas cher. Moi aussi je possède un... Ah mais d'accord, je l'ai carrément fait comme ça, c'est marrant. Hop. Ah mais il a 1800 quand même. Ah non, il a 1200 de défense, c'est qui devient un peu aveugle quoi, c'est pas très grave. Bon, on va d'abord tenter un petit truc quoi, mais bon, ça m'a l'air un peu foireux vu ta carte piège. Oh non. Hey, hey. Je suis obligé de faire ça, mais bon, c'est... Ok. Je suis pas très bien, oui. Ouais, de toute façon, t'es obligé. Bah après, il me met en def, de toute façon, donc ouais. Voilà. Il faut mieux détruire tout, quoi. Mais il y a 5 cartes avec un monstre à 1005, ça me fait un peu peur. Ouais, mais je pense que 4300, tu peux les tenir en vrai. Il y a moyen. Surtout qu'Alex joue beaucoup trop de magie et piège, visiblement. Ah, apparemment, Alex s'entraîne au Dextol qu'il y aura en Speed Duel. Hein. C'est sûr que les anti-bacros là face à moi, ça sert. Hein, c'est... ok. Ah oui, d'accord. C'est ça son effet. Ah oui, ça c'est marrant quand genre t'as un Blue Eyes dans le cimetière, que t'as peur que le mec il le réinvoque. Boum. Et t'es en mode bah, je te le remets dans ton deck ton Blue Eyes. Alors je te remets ça. Je te remets quoi d'autre dans ton deck? Que les trucs nuls. Mais ça, ça a 1200, ça a déjà plus d'attaque que le mien. Mais en soi, il y a un truc que tu dois éviter, mais on va voir. Bon, voilà. Mais du coup, je vois pas les cartes que t'as mises. Enfin, ah bah, attends, à voir ce que tu m'as retiré un peu. Bah non, il a fait l'erreur, évidemment. Évidemment, il a fait l'erreur. Il n'a pas enlevé mes upsetters et mes setupers qui peuvent se réinvoquer du coup. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû renvoyer juste eux tout simplement. Après, t'en avais combien? Un de chaque, là du coup. Ah, ok. Dans le cimetière. Ah non, il y en a un que t'as en 2 exemplaires. Bon, j'avoue que je disais que t'allais survivre à l'OTK, je pensais pas que t'y allais y survivre si bien. Par contre, c'est-à-dire que là, les... c'est pas une attaque, hein, c'est du poke là. Respecte Whispering Fairy. Oh, oh. Oh bah regarde, il va se faire respecter là. Je crois que t'as pas dit bonjour. Hein. Normalement, en termes de points de vie, c'est 4000 en rush. Oh là. Dans l'animé, c'est 4000. Ah, oh, bah c'est bien dommage. Bah tiens. Voilà quoi. C'est que dans l'animé, c'est comme le Master Duel qui a 4000 dans l'animé. Alors qu'en vrai, c'est 8000. C'est parti, Kogeki. C'est parti. Boum. Mais c'est aussi un magicien lui, mais ça me fume. Putain, non, c'est juste les magiciens de ton cimetière en fait. En fait, tu dois renvoyer 4 magiciens de ton cimetière et force miroir quoi. Ah, c'est trop fort. Hein. Moi je dis c'est trop fort tout ça. Ne serait-ce pas le pire format jamais créé par Konami ici? Mais elle a qui dit ça alors que c'est. Ça me fume. Faut juste virer Dark Libération et c'est bon, c'est un très bon format. Alors que Elec aujourd'hui il m'a menacé pour que je lui achète des cartes au Japon. Hein, genre, on en parle. Bon, en tout cas, on en parle que aucun de nous n'arrive à top deck nos monstres à deux sacrifices. C'est faux, Elec, tu as demandé gentiment. Mais c'est vrai. Il me reste 3500 LP. 3500. Mais est-ce que je les ai? Merde alors. Attends, invocation. Ah oui, non, j'ai les ailes. Mais sauf si t'as un truc chiant. Non, non, j'ai rien. Mon truc, c'est... tu sais quoi, bah, je vais faire ça. Je détruis un dragon, genre maintenant. J'active. En fait. Je défausse lui. Ah bah, tu drôle d'une carte, quoi. J'active. Oh non, alors. Je vais te redonner lui et lui. Ça changera rien, en fait. Ok. Hop, et j'active ça. Je défausse et je booste l'attaque d'un de mes monstres de 1000. Tu l'as grâce à ça quoi. Ah oui. Aïe aïe aïe. On en est là. Hein. Je suis un peu deck par contre là monsieur. Là, 11 tours les gars. 11 tours. Ah mais mon deck... Oh je side. Je peux pas. Ah mais j'ai une carte dans mon side. Alors attends. Oh mais c'est incroyable ma carte dans mon side là. Cyclone cosmique. Non, c'est bon, ça y est terminé. C'est incroyable ce qui se passe. Je trouve aussi. Imagine une fusion level 9 requis 3 monstres level 3, donc dont un tuner grâce à une magie rituelle uniquement invocée. Calme-toi, calme-toi. C'est déjà, tu m'as perdu au bout de 2 lignes en fait. Ah, Spatial Sonic dans le chat il a des idées. Ouais. Il veut créer des bombes nucléaires dans le jeu. J'invoque normalement. J'active. Un... Oh non, pas ça. Je voulais créer déjà des fusions dans le jeu, mais on n'en est pas encore là. Ouais. En fait, c'est là où je pense qu'il faut pas faire d'erreur sur le format. C'est vraiment genre, il faut potentiellement développer des trucs spécifiques au Rush Duel. Tu vois, c'est pas obligé de faire des fusions, des synchros, des tout ça. On s'en fout. Genre, actuellement, genre, il y aura peut-être leur propre mécanique, etc. C'est ça qui peut être intéressant, justement. Ok. Alors, attends, c'est parti pour les vrais combos, bien sûr. Évidemment. Mais du coup, on aura bien l'extra deck à un moment, vu qu'il y a la zone pour ça. L'invocation du temps. Déjà, bonjour. Ok, donc il réinvoque le monstre depuis le cimetière. Free invocation. Par contre, on draguire, celui-là, un petit peu troussant. Fais gaffe, hein, j'ai une force de miroir. Hein. Ouais, j'ai bien vu. J'ai bien vu. J'ai bien vu, monsieur. J'allais dire, en Rush Duel serait insane. On se calme. Imagine avoir de l'extra où les invocations sacrifices, c'est la méta. Mais en moi, j'ai une idée de carte, serait... plus fort. En moi, j'ai une idée de carte, ce serait comme Exodia, mais tu as besoin que d'une carte. Yes. Ça me semble legit. Par contre, s'il y a encore... Bah non, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de cartes dans ton monsieur cimetière. Oh là, non. Il y a un effet keychain, là, monsieur. Hmm. Il va mettre des dégâts de burn. Je connais cette carte. Mmh. Ouais. Sauf que c'est toi que j'attends, en fait. Mais moi je peux attaquer depuis tout à l'heure, mais... Ah non, c'est vrai, lui il peut pas. Parce que c'est un level 6 et c'est level 6. Ah ah oh, t'as même pas activé l'effet de Dragears? Mais ah mais... Bien joué. Si j'ai activé son effet... Non, non, j'ai pas activé son effet d'ailleurs. Bien joué. Je crois, de souvenir. C'est dur, hein. C'est dur, hein. J'active. Il faut juste le temps de s'y mettre, quoi. Alors... Je suis top deck ça. Je suis top deck le même monstre. Hein. Je le rappelle, mon effet de monstre. Je défausse un monstre magicien pour piocher une carte. Bon. Maintenant, les gars, on ne rigole plus. On ne rigole plus. Je sacrifie. Bon. Maintenant. D'accord. Maintenant, j'invoque normalement lui. Je set ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a certains monstres qui vont, qui vont être dans la catégorie légende. Donc si vous regardez l'illustration, il y a marqué légende. Ça veut dire qu'on ne peut avoir qu'une seule carte légendaire dans votre deck. On ne peut avoir qu'un seul Blue Eyes. Et il y aura le Red Eyes aussi qui sera en légende. Par contre, c'est une seule carte de la catégorie légende ou une seule copie de chaque carte légende? Une seule carte de la catégorie légende. Ok. Ouais. Donc on pourra pas jouer Blue Eyes plus Red Eyes, quoi. Ouais. Red Eyes, ça va être tendu. Hein. Mais tous les monstres, tous les Ace Monsters des personnages de la série, c'est des légendes, non? Je sais plus. Non, non. Non, je crois pas que les trucs de Duel Monster. C'est vraiment genre, ok, c'est que genre Blue Eyes, Red Eyes, ok. Et Red Eyes, du coup, ils ont annoncé le poussin. Ils ont annoncé le truc qui peut burn avec le Red Eyes, mais en vrai, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pas montré les effets. Donc à voir s'ils changent les effets pour que ce soit adapté au fait que dans les decks on pourra avoir qu'un seul Red Eyes. On verra bien. Les fans de Blue Eyes en PLS actuellement. Les fans de Blue Eyes là, ils regardent pas Sevens donc... Golem de l'avant, Rush Duel. Aïe. Non, non, surtout pas. Monsieur. Ok. On a déjà ça sur... en Speed Duel donc... on se ça ira. Ça, on se... Ah d'accord, t'as... Ok. Bah, et je joue un deck contrôle. Je décris ça. Son deck contrôle. Ok, je pouvais pas l'utiliser encore une fois. Je vois que Mystic Dealer. Je sacrifie mes deux monstres pour invoquer mon tout-puissant. Seven's Road Magician. Ah ouais, ça me va. Moi, Seven's Road qui peut pas OTK, ça me va moi. J'active. Trop de cartes magie posées à chaque fois. Regarde ma route. Je crée ma route. Il est en train de passer le code. Regarde la route là. Là il te manque juste les dégâts persans en fait. Et j'attaque. Dégâts persans. Ok. J'attaque. Ok. D'accord. Et pas souci, monsieur. Bon, à voir que voilà, si tu peux faire le comeback. Hein. Faut savoir qu'Alex là il a que des cartes magie 7 et il est en mode je peux pas m'en servir. Aankara qui fait les blagounettes. Ah, mais moi je suis là pour ça. Hein. Je sais pas jouer à Yu-Gi-Oh, moi je sais juste faire des blagues. Alors en panne quand les livraisons Yuki-san, je devrais pouvoir expédier les... une partie des commandes en cours vendredi. Ça reprendra totalement parce que... Hein qui commence à râler. Bah toi tu veux commander des Speed Duel, donc tu... je t'enverrai tes trucs quand il y aura les Speed Duel. Ouais. Voilà. Il y avait deux duels Overlord, hein, oh et oh. Ouais, mais j'enverrai tout en même temps. Monsieur. Chef. Ah oui, non mais je peux plus activer son effet parce que j'ai une carte dans la main. Ah c'est bien dommage. Bon du coup j'active juste cet effet là, mais ça sert à rien. Ah bah tiens, comme ça au moins j'ai un monstre nul en moi. Bon, on va attaquer ça. Force miroir, perdu. Mec, mais en fait je peux pas jouer contre ce deck en fait. Ce deck c'est juste, un turbo force miroir en fait. Mec mais ça me fume en fait, j'ai force miroir à chaque fois, à chaque tour quoi. Mais c'était que du lore. Moi je quitte ce duel moi. Et jouer autour de Dark Liberation. Bon. Oui bien sûr. Tu veux que j'attende 6 tours que je pioche un anti-backrow et que je prenne celle du milieu et que ça soit pas Dark Liberation. Hop, je me mets en spectateur, je vous invite sur Discord et vous jouez. C'est un ordre apparemment donc je lis le chat. On joue. Alors moi je pense que ce deck... change de deck. Moi je pense que ce deck est extrêmement qualitatif. Je connais la moitié des cartes qu'il y a dedans, mais ça va bien se passer. Imaginez Roi Ojama. Commencez. Hop, oui. C'est incroyable, le serveur met 10 heures, mais sauf qu'il est pas 8h20. Oui, alors ça va durer très longtemps. Hein. Ah merde. Voilà. On est vraiment en train de partir là-dessus, ok. Yes. Moi je clique sur ces trucs à chaque fois mais n'importe comment quoi. Alors... Au secours, c'est vraiment genre... Allez hein. Hop. Oh non il joue le deck level 1. Ça me paraît être une bonne idée. Il a eu 5 monstres sans sacrifice. Très content en tout cas du deck level 1. Par contre je vais juste faire ça parce que j'aime pas trop Dark... Voilà. C'était juste pour pouvoir draw une carte de plus parce que c'est vraiment la hesse maman. Oh des dragons ça. Et oui, des dragons. Oh, et un effet spécial. Ah. Oh mais en plus c'est le Kuriboh quoi. C'est pas mal ça en vrai. Très content. Hein. Hop level 1. Oh. Hop celui-là. Le size dragon. Oh c'est très familier. Alors je t'avoue que je sais plus du tout comment il joue le deck level 1 mais si tu m'as offert le scarabée je crois que je meurs. Enfin, pas tout à fait tout de suite, mais peut-être. Vous avez un site où on peut voir les decklists pour essayer de comprendre comment jouer les decks. Est-ce qu'il y a un Reddit pour Duel? Il y a peut-être du Reddit pour... Il y a tout sur Reddit. Salut. Je sais que Reddit, ils a... Ah bah pas mal ça. Je sais que Reddit, ils avaient créé un site pour les Speed Duel, qui est maintenant mort, le site. Ah, ça c'est un peu dommage que je l'ai pas droit, quoi. Mais sur le Reddit, déjà, je peux vous passer le truc, il y a des mecs qui mettent des decklists. Il est pas là, il y a des zones pendules, mais il n'y a pas de pendule. C'est juste. Voilà. C'est juste que c'est le terrain. C'est le terrain pour les speed duels. Taper 2 fois. Et dans les speed duels, il n'y a pas non plus les pendules. Mais voilà. Alors moi, je te donne tout là. C'est ma route. Hein. C'est ma route. Hein. Sa mère. C'est ma route, oui. Que des monstres niveau 5. Non, fallait que j'active un autre effet avant celui-là. Ah c'est dommage, mon petit Kuriboh là. Kuriboh. Mais en vrai il n'est pas impossible que soon je puisse je vous fasse une vidéo où je vous montre un deck de Rush Duel et je vous montre un petit peu comment le jouer quoi. Parce que je n'ai pas ça en fait. Enfin, faire des games sympas. J'ai une théorie sur laquelle mon deck est éclaté, mais je suis pas sûr. Bah, je vais le jouer après, tu vas voir. Dommage. Je vais te montrer comment on joue ce deck. C'est-à-dire pas piocher que des niveaux. C'est comme ça. Excellent, j'adore ta stratégie. Oh, par contre j'ai... Oh là là mais j'ai une des cartes... J'aimerais bien la sortir la carte que j'ai dans la main là mais bon. Ça va être compliqué. J'ai envie de faire un peu de musique quoi. Ok. Vas-y on va faire des trucs incroyables. Ah mais il y a justement un mec qui joue un deck level 1 justement sur Reddit là. Il y a 13 jours. Merci Man Winner pour le flow. Aankara lui il a pas oublié hein, le Kuriboh. Mais est-ce qu'il a un Kuriboh au cimetière? Non. Non, non, non. Non, c'est juste je l'ai invoqué, j'ai le droit. Genre, C'est littéralement que ça. Hein. Ah, là par contre. Là par contre, non, on parle. Encore une autre ça va réinvoquer le Dragears sur la destruction contre le Dragears encore. Je reconnais. Merde. Non, il y a un truc qui peut être fou. Non, mais non. Je le sais. Oui, mais non, je l'ai pas. Si. Je peux pas faire Gravity Press plus Dragears. Ouais, là ça va être compliqué. Hein. C'est dommage. Bah, Monsieur Lucas qui est plus sub. Bah, il faut resub. Bien dommage. Non, mais Dragears. Yes. Wow, c'est le même board. C'est pareil. Quoi, tu ne peux même pas attaquer deux fois? Il attaque. Un coup. Dire attaquer deux fois avec le Twin Edge. Oui, non, mais je mêle des trucs juste pour mêler des trucs. J'ai l'impression que ce deck faut mêler. Je sais pas pourquoi, mais melon. Mais moi, je vais fêter mes 3 mois d'abonnement. Voilà. Incroyable. Ouais, mais que fait ma fenêtre pour les fêter? L'explosion. Hop là. Incroyable. Donc, ah, mais je peux pas payer mes 500 LP. Non, mais il faut l'avoir sur le terrain en fait, peut-être. Ok, je pensais ça se payait depuis le cimetière en fait. Attends. J'ai trop de réminiscences en fait. Oui. Du TCG. Alors, en fait, c'est horrible. Ce n'est pas un bulbe. C'est horrible en fait. Trop de réminiscences du TCG. Et boum, tu récupères le Kuriboh. Le Kuriboh. Par contre, je fais quand même ça. Ah, est-ce que je fais le Monsieur Marrant un peu? Ouais. On vire celui-là. Oh, je virerai mon meilleur monstre. Non, ma carte clé. Oh merde, je crois que celle-là elle marche pas en plus. Ah oui. Parce que je voulais ça. Il faudrait que je la change. En vrai, quand ton monstre il est détruit, ça réinvoque rien. Je comprends pas. Ah, c'est de la merde un peu. Oh, Ice Monster de Romin. Mais oui. Je crois que je suis flingué quand même là. Voilà. Elle est encore buggée. Après, je sais pas si. Elle est peut-être. Ils ont peut-être fait un patch. Oh, attends. Ça fait un mois. Oh, ouais, ça peut être fabuleux, ça peut être fabuleux. Là, il faut juste réinvoquer le Dragears. Oh, Kuriboh. Oh. Ah, mais il te reste plus que 500 LP. Mais par contre, est-ce que tu auras assez pour me faire les booms? Bah, s'il fait un Dragears, ça... mec. J'avoue que s'il fait un Dragears, ça me ferait chier parce que du coup, j'ai défaussé un Dragears pour invoquer Prima, quoi, mais bon. Oh. Oh ah. Mais tu peux pas l'invoquer, je peux pas payer. Hier, calmez-vous. Non mais c'est pas mal, c'est un beau board, moi j'aime bien. Double Prima. Non. C'est vrai que moins 1000 c'est beaucoup quand même. Hein. Par contre, il y a des cartes dans ce deck, je sais pas exactement ce qu'elles foutent là, mais... Non, on va pas en parler, mais... il se passe des choses dans cette déclin. Mais tu sais que tu aurais quand même dû détruire sa truc là, sa Prima Guitarna, non? Oui, c'est vrai, parce que lui il a plus de 1000, je suis débile. Après j'avais perdu anyway. Ah bah c'est... Ah non, c'est encore la même quoi. Mais putain, mais pourquoi tu peux pas le laisser tester si l'effet peut s'activer ou pas? Ça me fait... Oui, non mais là il... Parce que là j'ai beaucoup de monstres quand même sur le terrain. Hop, je fais... Hop. Laisse pas passer. Mort. Ah non, bah mort mais... C'est deux randoms qui s'affrontent. Side decking. En fait, c'est un tournoi. Oh, mais j'ai 10 cartes dans mon side deck. Mais moi aussi, pourquoi j'ai 3 cartes dans mon side là? Mais attends, pourquoi mon deck il a 39 cartes? Attends, bah je vais les side si t'es sûr que la carte elle marche pas, parce que moi je side les autres à la place. Ouais, moi j'ai un deck de 39 cartes quand même. Sauf si tu veux faire la science. J'ai une carte en fait exprès de mon deck. Ok. Qu'est-ce que j'ai viré sans faire exprès? Fais avancer la science. Putain, j'en ai marre, mec. Bulbe Kuriboh, si votre adversaire attaque, envoyez cette carte depuis la main au cimetière. Votre adversaire gagne 2000 PV et son monstre est envoyé au cimetière. Pas mal. Hop. Moi, je fais des trucs scientifiques là. Voilà. Erreur de side deck, comment ça? Non mais non. Attends, tu vas voir. Là, mais est-ce que t'as remplacé une carte pour une carte? T'as pas rajouté trop de cartes? Non, il y a un truc très marrant. Mon deck est comptabilisé avec 39 cartes et il me laisse jouer le duel. Et du coup j'ai pas remarqué, mon deck a 39 cartes, du coup j'ai voulu side, sauf que du coup j'étais à 40 et puis à 39. T'es à 40, t'es à 40. Ah non, t'es à 39, oui, c'est une honte. Hein. Comment ça se fait, le jeu m'a laissé genre commencer le duel en fait? ça n'a aucun sens. Okay. Et j'ai même pas remarqué que j'étais genre... Moi je call le judge, moi je call un judge. Ça n'a aucun sens. Slash, slash judge. C'est énorme. Tu fais le méta weekly plus tard, j'en sais rien, je sais même pas à quelle heure il est. Le chat c'est qui Aankara? C'est moi. Ouais, voilà. Voilà. Bah, bien joué. Je pense que du coup maintenant... Pour l'exclamation Aankara est à sa chaîne. Voilà, je fais du Duel Links, je vais refaire du Speed Duel parce que il y a enfin y avoir des cartes en fait. Et je vais faire du Rush Duel quand ça arrivera en Europe, voilà. Je fais du Rush Duel sur EDOPro. Que je vais pouvoir tester, yes. Ça va être incroyable. Alors par contre, exclamation mark Aankara, c'est méchant. Oh god. Il commence à minuit 30, bah peut-être. Alors... J'arrive pour le judge, qui a marqué ça. Alors qu'est-ce que t'as vu déjà? Non, Alex c'est vraiment top, sinon c'est beaucoup trop drôle. Cette carte est forte. Enfin, forte. Putain. Mais si, il a une chaîne Twitch. Ah, il y a encore le Yugimuto 91 de l'exclamation. Vas-y. Bon, par contre, faudrait jouer en fait. Ouais, bah, t'es en pleine stratégie là. Oh non! Hop, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tout ça pour que les gens arrêtent de dire que les rush duels sont trop rapides. Ah non, parce qu'il y a une carte que je veux vraiment tester. C'est vraiment pas rapide. Du coup, oh mais c'est incroyable, du coup je peux invoquer. Avec ça, je peux invoquer ça. Oh là là! Ah, mais c'est drôle là! Ça, c'est trop drôle. Non, je trouve pas ça. Oh putain. Ah, c'est pas un level 1 ça. C'est pas. Hey, ça a gagné 100 pour l'attaque. Je voulais pas dépenser ça. Ah non, ah non monsieur. C'était pas main phase 2, c'est faux. Non, okay. Il y a même pas le lien pour la chaîne de biche, c'est terrible. Prescription biche. Merci Tanu Kirumo. Kiruno pour le flow. C'est moi ou tu vas te faire exploser mais comme jamais là. Ah, moi je suis vraiment fier de moi. Regarde ce que j'ai fait en plus, j'ai carrément défaussé lui. Hein. Je pense que quand je... Oh. Double effet. Boum. Non mais monsieur là-haut. Bon là je pense que Aankara se fait éclater. J'ai jamais vu un duel aussi rapide. Hein. Non, attends, on va pouvoir voir si c'est bugué. Ce bordel illégal, j'ai Oh ça s'active. Ça marche. Non, mais wow sur lui. Ça a été patché. 400. Il a plus de 400, non. Oh là là. La survie d'un homme. Oh non. Regardez ça. Il tient. Ah, il te restait 200 si ça passait. Car fixed. Enfin, c'est pas trop tôt. Bon, ça se trouve, ça date d'il y a longtemps, mais sauf que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Et donc, là j'ai trop des trucs, oui. Là on fait du remote duel là. Tiens, je vais changer le nom du stream pour rajouter pour l'exclamation EDOPro. T'as pas de cartes qui font piercing? T'as pas de cartes qui font piercing, allez. Ah, bah, en gros, avant le patch, la carte tu pouvais pas l'activer, elle faisait rien. Ouais. Voilà. Ouais. Non, je faisais quoi? Je crois que je pouvais l'activer, mais sauf que ça faisait rien. Ah, tu t'es trompé? Et oui, évidemment. Oh non, alors, comment ça, je me suis trompé? Oh non, il en a deux. Il me déteste. Je déteste. J'ai juste activé cet effet-là. Voilà, quand même. Merci Greg pour le raid. Ah, ouais, mais ladron. Oh, c'est dommage. Non, non, moi je m'en fous. Et qu'est-ce que... Je vais me protéger un petit peu du coup. Ah non mais attends, ah j'ai pas l'étal de toute façon donc. Non non là je peux faire un comeback niveau animé, pas du tout. Hein, voilà. Moi je me protège. Oh là là, il se hein. On ne sait jamais hein. Allez boum. Putain mais le raid de Greg. Oh, la tortue du président. Bon allez là tu le remontes là. Là je sais pas trop là. Non. C'est quoi? Non mais c'est quoi ces mains? Genre 5 monstres sur level 1. Pas tout à fait. Salut. Ah dommage. Ouh. Et là il a combien d'attaques? Oh. C'est un niveau 2, je reconnais. 2100. Ah 2100. Il est nul. Ouais, mais j'avoue c'est tellement lent. Aïe aïe aïe. Frais. Genre y'a des cartes qui meulent beaucoup le deck ou pas? Bah oui. Ils sont pas là. Mais non, mais beaucoup j'ai dit. Non, j'ai pas non plus. Y a pas l'herbe à la plus verte, mais. Non, mais je. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai draw un monstre niveau 1 à 4, quoi. Lui et 3 monstres niveau 7. Ouais. Je t'envoie des biens, ça ne marche pas dans les maths en fait. Et en plus, il me flex avec son Kuriboh. Mais vraiment. Je veux un vrai Kuriboh à 600 pour l'attaque. Allez, hein. J'ai tellement hâte d'utiliser Kytroid. C'est pas vrai. Boum! Oh là là, avec le Kuriboh retour. Et Explosed, voilà. Aïe aïe aïe. Hop. Non, il n'y a pas de revanche pour le moment. Ça va aller. Non, mais je le testerai tout à l'heure, le deck level 1. Bah, tu sais quoi? Bah, je vais mettre le rush level 1. Toi, tu mets autre chose que tu veux, mais moi, je vais te soulever avec. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai fait. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je vous envoie l'invite. Le gif de ton tweet, Alex, c'est vachement cool, bordel. Je vais le télécharger. Ah, mais. Donc, moi, je fais pas de vidéo sur le rush. Cette invocation de Guitarna par Romin est trop classe. Vas-y. C'est moi qui joue ou c'est Janto? Je retente ma question. Maintenant que les cartes Rush Duel sont sorties en OCG, a-t-on une idée de la valeur des cartes par rapport au Speed Duel et au Master Duel? Bah déjà, en fait, pour acheter vos cartes de Rush Duel, c'est déjà beaucoup moins cher. Genre, je sais plus quel est le prix de la display ou même des decks, mais les decks, je crois que ça coûte un deck. En équivalent en yens, tout ça, là, ça fait 7-8 balles, un truc comme ça. Nous, on les achète. Un booster, c'est genre 1,10 € l'équivalent. Ouais, voilà. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu 120 yens, j'ai fait attendez, comment? J'ai checké, j'ai fait ah oui, bien. Ah oui. Par contre, il y a les rush rares qui coûtent cher, apparemment, puisque il y en a plein qui veulent. Après, je pense que c'est parce qu'il y en a en dehors du Japon qui veulent les avoir, les dragons blancs en rush rare, parce qu'ils sont beaucoup trop classe. C'est pour ça. Oui, un deck égal 7 €, voilà. Un deck 7 €. Imaginez qu'on avait ça. Genre, même moi, quand j'achète mes decks à des fournisseurs, ça coûte plus cher que 7 €. Mec, c'est incroyable. Ouh, par contre, c'est vrai que j'avais pas vu ma main, mais... On va juste... Voilà, hein, se vider la main un peu, parce que c'est la Hesse. Après bon, si on commande depuis la France au Japon, ça coûte un peu plus cher, mais... C'est incroyable quand on veut juste vider la main tout rond, en fait. Genre c'est... Je pense qu'être tout rond dans le Rush Duel, c'est le pire truc. C'est pour ça que je t'ai laissé... Ouais, tu mets que des monstres en mode def, en fait. Ouais, c'est ça. Faut juste espérer avoir des monstres en mode def que tu peux réutiliser plus tard. Genre des petits Kuriboh, quoi. J'active. Waouh. Alors. Not bad. Ça me fume. Ah, t'as pris le guerrier, ok. J'hésitais en plus de prendre le guerrier. Aankara versus AlexYuki, le vainqueur passe 3 des jeux, qui va gagner? Niveau 1. Un ladder à 2 personnes. C'est pas mal, hein. Bon, par contre, il va mettre la taxe, hein. Je suis déçu, il y aurait eu un truc marrant à faire là. Enfin marrant. Après, l'une des choses qui pour l'instant je reproche au Rush Duel, c'est que les seules bases de deck qu'on peut faire, c'est à base de magicien ou de dragon. Donc bon. Je l'ai pas vu. Ou l'intérêt du Rush Duel. J'ai pas compris, du tout la question, mais bon. Bah, où est l'intérêt du Rush? Voilà. Yamero Ruler. Bon, ok. Voilà. Sauf que, comme Saturne King Beetle aura tellement d'attaques. D'ailleurs, tu le détruis même pas. Ok. Brrr. Ça va bien se passer. Un truc que je reproche au Rush, c'est de pas être présent en Europe, oui. Ouais, aussi. un jour, on espère. Inch'Allah. Ah là, moi j'aimerais bien. Alors, je vais poser lui, je vais invoquer normalement Est-ce que je peux faire ça à chaque tour avec Yamero là? C'est vraiment... Non, si cette carte a été invoquée normalement ce tour-ci. Ce serait quand même un peu scandaleux. Tu sais, imagine à chaque tour en mode non, 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 non. Très bon gameplay. Oh, va-t-il réussir à le passer grâce à l'effet... Putain, c'est incroyable. 2100. Tellement un bon deck contrôle ça. Toute la... Ouais, quand t'arrives pas que... Par contre, je peux même pas détruire ton autre monstre, ça fout. Il y a un gros chèque après dedans. Ah non, c'est tout ce que je peux faire. Il avait combien de points de défense? Ah, il avait 1800. Je pouvais pas du tout le passer. Enfin, ouais, genre, soit je le passais lui, soit je faisais... C'est ma route. Yes. C'est ma route, oui. Ouais, 3300, c'est quand même pas dégueu, hein, monsieur. Déjà. Je me demande si un nouveau mec qui connaît pas Yu-Gi-Oh sera pas complètement paumé avec tous les formats différents autour d'un même jeu. C'est pas bête. Mais après, s'il se bat juste sur Rush, Rush, Rush. Bon. Go Rush. Rush, Go Rush. J'active. Je défausse. Tortue. C'est pas mal. Mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon. J'active. Ah bah, ça, c'est la force de miroir. Yes. Ouais. Oh mais là il fait tellement des trucs animés. Et là t'as pas de quoi invoquer. Alors... je vais poser ça... Je vais activer... Et boum 2300. Il est tellement fier. Voilà... Une phase... Lui je le garde. Alors... Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de cartes qui a le moins de formats différents par rapport à Magic, par exemple. Après, c'est différent. Quel enfin, non, pour après, je connais pas Magic, alors je vais rien dire. Oh, nul. Jouer une terra. Est-ce que c'est pas le pire opening? De quoi? Quel est le pire opening? Celui de Sevens, c'est le meilleur. Non, monsieur. Non, monsieur, bah force de miroir. Oh, bien sûr. Bah, mon armure de Sakuretsu. Non, c'est Michizure, ça. Hop. Nananananana, rush, go, rush. Mais putain, mais où ils sont les monstres de haut niveau? Ça me fume. Mais je crois que tu as oublié de les mettre dans le deck, hein. Non. En plus, je suis dégoûté parce que là, je peux te dire, il y aurait eu un petit changement dans ma main. J'avais un tour niveau de l'animé. Hein. Et là, ça s'est transformé en je te pète une carte, je sais deux. Un peu désespérant. Gravity Rush. Non, Gravity Press plutôt. Gravity Press, je sacrifie lui. Boum. J'invoque. Merci Moonlight pour le follow. Et du coup, j'active effet de lui. Et toi, tu augmentes attaque. Regardez-le comment il est strong maintenant. 2400 points d'attaque. Par contre, montagne. Ça, c'est la plus belle carte qu'ils ont changée, quoi. Elle est tellement belle en rush. Mélanger. Battle phase. Alors, je sais pas ce que tu peux avoir comme monstre. Enfin, comme défense avec tes monstres. Ah, c'est ma force de miroir. Ouais, merde, j'ai pas joué autour de ça. Bon, t'as que des monstres avec des défenses nulles, j'attaque. Yes. Et boum, 2400, et boum, 1500. Et une phase. C'est quoi le jeu? C'est Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'est Yu-Gi-Oh! Je sais pas, on me dit c'est quoi le jeu? Le jeu, c'est Yu-Gi-Oh! Ah, le logiciel EDOPro, en effet. L'anime n'arrivera jamais en France, on n'a pas eu Sevens, on n'a pas eu Vrains, donc à mon avis on n'aura pas Sevens. J'ai vraiment... Sevens c'est pas impossible. Hein. Genre c'est... Ah, il faut juste quelqu'un qui travaille chez Gulli quoi. Ouais voilà. Boum puis, voilà. Oh mais bordel c'est toujours pas la force de miroir. Tu leur montres le concept de l'anime. Je la trop la force de miroir avant quand même, parce que pour l'instant c'est toujours pas trop ça quoi. Ah mais je te fais pas. J'ai envoyé un DM à Gulli là. Non. Regardez cet animé, doublez-le s'il vous plaît. J'active l'effet. Encore un monstre de niveau 1 au cimetière, mais c'est ce qu'il faut. Putain, mais il y a... J'ai le pire ici. Je pose. J'active. Donc toi, tu vas gagner de l'attaque. 3400. Vas-y avec ta vieille force de miroir. Vas-y, active-la, ta vieille force de miroir. Là. Il joue tout. Ah bon, après, elle a que... Mon truc, il a que 200 en défense. Hein. Il va se faire exploser, mais bon. Alors, attends. Numéro 4. Soyons smart. D'ailleurs, c'est chelou que la dub anglais de Vrains existe, mais pas en français. En français, ils se sont dit... Bah, ça fait des chiffres catastrophiques, hein, R5. Hein, donc, t'as une chaîne de télé, t'as pas envie de réinvestir la prod. L'argent dans un truc que personne va regarder. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais Volt, c'est EDOPro. Salut. Et c'est EDOPro, et sur EDOPro, tu peux faire du Rush Duel. Il a pas reconnu à cause de ton playmat, Alex. Ouais, et là, je... Mais est-ce qu'il. Est-ce que. Bah, oui. Ah, Volt. Volt, tu connais EDOPro quand même. S'il te plaît. Ou alors il connaît pas EDOPro. Mais ouais, c'est un joueur de... Ah ok, je savais pas que t'avais des... Ah, ouais. Respectez mes goûts de weeb, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors contre, que moi j'ai des belles pyramides violettes là. Oh là là. Des belles pyramides. Tu vas pas l'activer, tu vas pas l'activer. Monsieur... Après c'est vrai que Volt est un expert du remote duel, donc il n'y a pas besoin d'EDOPro. Il n'y a plus rien à faire, faut que je tape un moment. Ah là, trop bien, pouce bleu, oui. Par contre, je vais perdre à la meule. Moi, c'est ma strat, hein, genre. Mais 11e tour, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai que 2 cartes dans ma main, je pioche 3. Ouf. Bon, t'as utilisé combien de forces de miroir depuis le début? Oh, tu m'en as pété une et j'en ai une. Tu veux dire c'est la carte de droite? Voilà. C'est bien, faites du remote duel. Oh. Alors, j'invoque lui. J'active effet. J'ai tout mon deck au cimetière. J'invoque lui. Oh oui, oui, c'est un petit monstre quoi. Aïe aïe aïe. Non, par contre, vraiment, mon deck qui sort à l'envers. Mais tu dis ça, tu vas me sortir ta force de miroir. Regarde-le, regarde-le. Non, c'est pas force de miroir. Ah, c'est ça. C'est la fausse force de miroir. C'est la force de personne. Mais du coup, le rush, pour moi, franchement, c'est beaucoup trop drôle. C'est vraiment drôle à jouer. Je dirais que le seul défaut, comme d'habitude, c'est qu'il n'y a que 2 decks. Que 2 va... Enfin, t'as le deck dragon et magicien, et à chaque fois, tu peux les varier avec quelques petites autres combos, mais ça reste les deux mêmes decks. Donc c'est ce qui limite un petit peu, mais vraiment, le format, je le trouve beaucoup trop drôle. C'est bien mieux que le speed duel, où c'est... Parce que le speed duel, c'est accessible, etc. C'est plus rapide. Mais des fois, c'est trop rapide, en fait. Ça te tue... Enfin, ton adversaire peut te tuer tour 3. Là, regarde, on est tour 13, généralement on tient les duels tour... Enfin, durent 10 tours. Monsieur. Ouh. Monsieur. J'en ai plus rien à faire. C'est pas mal ça, 5003. Ah oui. Et par contre, je reçois la grosse diff... Il va se faire exploser au prochain tour. La grosse diff qui change tout, en vrai, c'est de piocher 5. Enfin, c'est de piocher jusqu'à avoir 5 cartes chaque tour. Puisque ça te permet d'avoir de retourner la situation chaque tour et d'avoir des parties équilibrées. Tu sais que ça fait 3 tours que j'attends juste pour pouvoir faire ça. J'ai les deux cartes magiques plus lui depuis 2 siècles. Boum. Quand on regarde les premiers duels qu'on faisait en speed duel et les premiers duels qu'on fait en rush duel, ouais. C'est bien mieux en rush duel quand on a tout de suite des très bonnes cartes, alors qu'en speed duel au début ils avaient mis que de la merde parce que fallait des premières cartes... de Yu-Gi-Oh qui sont sortis dans les années 2000 ou quoi, alors que là on a tout de suite des cartes intéressantes quoi. Sauf Phoenix là, aïe aïe aïe. Boum. Notamment Phoenix. Oh non mais... Énorme carte dans le deck dragon. Notamment cette tortue au cimetière là. Est-ce que tu survis pas genre à PV? Ah. Non. Ah si. Ah. Yamero Ruler. Ouais, pas de temps. Du coup, j'active son effet pour attaquer deux fois. Par contre, il me reste plus que 8 cartes. J'ai 30 cartes. Mais en fait, je survis comment, donc tape. Alors, ok, Battle Phase. J'aurais bien utilisé l'effet du Yamero Ruler. Mais bon. En tout cas, je vais pas finir avec Yamero Ruler. J'attaque. Boum, le deck niveau 1. Le deck niveau 1, il est nul. Hop, oh, ouais. Allez, je side. Tu jouais quoi là? Tu jouais magicien? Ok. Mais c'est galère. Ok. Par contre, j'ai. Alors, j'ai combien de monstres de niveau? J'en ai 5 des monstres de niveau 7. 7-8. Alors, attends. Ouais, stop. Ouais, mais monsieur, il side deck, genre. Bah oui, je side deck, mais bien sûr. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Mais après, je suis content, tu vois, j'ai eu mon moment animé, 5300, Seven's Road, yes. Puis après, comme dans la nuit, je me suis pris une baffe. Let's go. Là, j'ai pas peur, non. Merci, bah, Chef. Je crois que tu vas jouer premier, hein, parce qu'apparemment, voilà. Ok. Alors. Posé. Par contre, c'est quoi exactement? Sur ma route, oui. Posé, Elphase. En effet. Voilà. Du coup, je suis le King of Games. C'est exactement ça. Ok. Ok. Comment ça? En revenant sur l'écran, j'ai mis ce clic. Aïe. Ne répondez jamais à un message Discord pendant que vous jouez. Très mauvaise idée. Je suis revenu sur l'écran. En fait, je suis revenu sur la fenêtre et je me suis dit, genre, le premier clic c'est le retour sur la fenêtre et après je fais des trucs. Non, non, le premier clic il a fait ouais. Je n'avais pas prévu ça. C'est pas grave, ça fait partie de ma stratégie, c'est pas vrai. Oula, ça fait partie de ma stratégie. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va taper deux fois. Ah mais non mais tu peux pas. Je peux même pas, faut que j'utilise un monstre pour attaquer deux fois. Donc je te juste 2500. Le pire c'est que je pense que, ouais, mon monstre en fait je l'aurais limite 7. Tellement c'était dur. Du coup oui, le Discord qui est dans le lien, en fait c'est le Discord où ils partagent le lien de téléchargement puisqu'on peut pas le télécharger, on peut pas partager le lien de téléchargement directement. En fait, on peut mais... Ouais, pas, mais on s'en fout d'eux en vrai, genre nique. Ouais, nique. En ça fait, rien que... je viens de me rendre compte que j'avais pas de meilleur play au tour 1. Ah, bah yes. Parce que j'avais en main, bah. En fait si j'aurais pu 7 Kuriboh, c'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'aurais pu faire en fait, parce que je n'avais pas de monstre niveau 4. Et là, c'est juste de défausser ma main pour draw des trucs parce que j'ai rien. Genre, c'est assez scandaleux. Tu dis ça avec ta force de miroir qui est juste ici en fait. Ouais, voilà. Surtout avec ma force de miroir. Avec ta force de miroir qui est juste ici en fait. Et voilà, je peux... Avec ma force de miroir, j'ai un magicien dans le cimetière. Qu'est-ce que tu me parles? Au moins, tu l'utiliseras pas. Ouais, mais je suis obligé de la poser parce que sinon, je draw rien. Genre, c'est incroyable. J'active. Ah mince, j'aurais dû faire l'effet de Dragears avant pour booster de. Alors, j'aurais pu faire ça sur le Dragears plutôt. Mais vu que je suis con en fait. Battle Phase. Oh, ça se passe très bien mon duel. J'ai vu un monstre niveau 4. Yes. Après voilà, moi je dis que ça trash talk que mon deck level 1, mais level 1 invaincu avec moi quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. Hein. Alors ça c'est un monstre niveau 4, c'est bien, ça aussi, ok. Ok, alors. On va tenter des trucs. Lame des cartes. Ah. Ouais, elle arrive. Attends. Alors, lame. D'ailleurs, ouais, hein. Dans ma vidéo tout à l'heure, il y a un gars qui m'a dit, ouais, mais le point négatif de Sevens, okay, c'est qu'il n'y a pas l'âme des cartes. Tu peux pas dire au début de ton tour, ah, je vais piocher la carte qu'il faut. Non mais en vrai, dans Seven c'est genre... La Destiny Draw de la combo. Je pioche. Waouh, exactement les 5 cartes qu'il me fallait. Il n'y a aucune chance que je survive au tour qui arrive, mais... au moins... Ah, 800 points de vie, ça reste pas beaucoup quoi. Non, je pense que là, il manque Alex... meurt sur place, sur sa chaise actuellement là. J'active. Je défonce mon niveau 1, je récupère lui. Ah moi je... là je... Est-ce que tu te sens bien là? Je pose ça. En fait j'aimerais bien que le boost reste pendant le tour de l'adversaire. Ça vraiment qualitatif. Boum boum. Je sens que Seven's Road Magician c'est vraiment la carte d'animé. C'est-à-dire ça a un boost. Ça peut OTK pour... Mais le protagoniste gagne tellement grâce à ça. Boum, regarde. Regarde le tour d'animé que je te fais. Et hop. Moi je t'ai fait une brique d'animé, moi. C'est... Boum. Ben voilà. Vous gagnez. Bon, ben, j'entends que je te laisse jouer et je vais me faire un vrai deck. Voilà. Waouh. Il a pas confiance dans les decks d'Alex. Ouais, puis il s'est dit, oh, bon, j'ai la flemme de faire deck, alors je prends ceux de... Ah non, mais moi je te faisais confiance, justement. J'ai été déçu. Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai pas téléchargé ce deck, quoi. Parce que voilà. Déçu. Voilà, quoi. Comment ça, vous voulez faire une vidéo sur le remote pour, après, la virer aussi, MDR? Ah. Alors, bon. C'est un épisode très marrant des feuilletons Yu-Gi-Oh! Du confinement. Ah, ça restera dans la légende, quoi. Ce sera un moment d'anthologie. Je veux dire, on en parlera dans 4-5 ans, quand on dira, putain, les gars, vous vous rappelez du remote duel? Et on se marrera bien, quoi. Vous vous souvenez de ce serveur que Konami a fait, qui a duré 24 heures? Oh, oui, voilà. Mais bon, au coin du feu, ça sera rigolo, quoi. Attends, faut cliquer sur des boutons, genre... Oh non, pas ça quand même. Comment est-ce qu'on joue à Yu-Gi-Oh en confinement, en remote duel? Voilà. Tu fais tes combos, tu testes tes combos sur ton terrain tout seul, comme un con. Tu fais ça, t'inquiète. Par contre, est-ce que j'ai mis Guitarna dans certains de mes decks? Ouais. Dans la... Bah, celui que je jouais contre... J'ai joué quoi contre toi, Lanto? Moi, est-ce que tu jouais le Valent, ouais, donc il est dans le level 1. Je l'ai pas vu. Bah regarde mieux. Voilà, oui. C'est le fameux premier tour. Je sais pas, c'est des trucs. Le fameux premier tour, oui. Avec des amis? Bah avec des amis en remote duel. Waouh. Waouh. Mais tu joues avec ton frère et puis si t'as pas de frère, bah... T'engueules tes parents, vous avez qu'à t'en faire un. Maman, voilà, c'est tout. Tu peux me faire un frère pour que je joue à Yu-Gi-Oh. C'est tout, voilà. Moi, j'ai pas ce problème. J'ai 2 petits frères, donc je peux jouer avec eux. Parce que bon, le confinement, c'est pas comme si ça allait durer pendant plusieurs mois, années. Donc voilà, quoi. Jusqu'à la fin de mai, vous pouvez déjà jouer à Yu-Gi-Oh, c'est bon. Boum. Yamero Ruler. Oh non, pas ça, monsieur. Et... Je vais une phase. Quoi? Je suis un peu... je suis déception, monsieur, là. Ouais, tu fais du Duel Links ou du Legacy? Du bon Duel Links, ouais. Bon... Il va falloir quand même virer des cartes dans ma main, du coup, là, parce que c'est un peu... Et oui, je t'ai bloqué. C'est compliqué. T'as cru? Tu m'avais bloqué, en fait. Ouais. Oui. Ouais. Après, tu peux faire comme dans l'animé. Et non, la Witch m'a pas bloqué. Je vais attaquer directement. Oh. Mais non, il va faire un truc à 4000 points d'attaque, il va activer les 3 le même tour. Évidemment, ça me semble être une bonne idée. Ouais, je suis battle. Attaquer directement. Boum. Boum, en 2000. Voilà. Fin du rêve. J'invoque normal. Tiens, ça je le reconnais, ce monstre. J'invoque normal. Ah, celui-là aussi je le reconnais. J'invoque normal. Enfin, sacrifice. J'invoque normal sacrifice là. On attaque. Oh non, alors. C'est un peu beaucoup là. Merci Erwan pour le follow. Donc tu joues magicien, donc faut que je fasse gaffe à ta force de miroir. Quelle force de miroir tu parles là? Moi je la joue pas parce que je me suis dit je ne joue pas les cartes broken. Bon j'en ai mis 3. Voilà. Voilà. Attaque. Voilà. Imaginez ils se font un duel comme dans l'animé Yu-Gi-Oh avec le sérieux et les expressions en mode j'active ma carte piège, non. Mais on va évoquer les éclater les oreilles en fait. Y'a de base dans un deck, tu joues combien de monstres sacrifices en vrai? Je sais pas. À voir le ratio, puisque à un moment j'en ai fait un petit peu trop dans un deck et j'arrêtais pas de piocher mes monstres niveau 7. Terrible. Alors attends, qui n'est pas magicien dans ton cimetière là? Il y aura un extra. Y a déjà un extra deck hein, dans. Enfin, l'extra deck est existant mais il n'y a pas de carte à mettre dedans. Par contre, monsieur, vous voulez pas que j'active force de miroir en fait? Non. Lidacross cross 1. Est-ce que j'active le... Oh non mais je vais quand même pas faire ça en fait. Je m'en fous, je vire ça, t'auras pas de carte face down. Si t'as pas de cimetière, pas besoin de détruire les cartes face down, c'est mon raisonnement. Oh Samanzerodo. Ah bon. Ça va quand même 3300. Mais ça va, je ne suis pas en train de transpirer. Bah là, et du coup, Elec, c'est à toi de partager le lien de l'OFR puisqu'il n'y a pas de commande. Hein. Yes. Ouais, c'est un monstre de niveau 5 ça? Bah ouais. Bah, ça c'est bien nul. Un monstre de niveau 5 à 1400 points d'attaque? Waouh. Ouais, il n'y a pas de commande OFR, aïe aïe aïe. C'est terrible. Je vais devoir déposer ça puisque c'est... Voilà quoi. Oh non alors. Ah oui. Requiremante non. Pas mal. C'est pas mal du coup comme effet. Mais ils auraient... Pourquoi ils ont mis un requirement alors qu'il n'y a pas de... Ouais, oh non, juste parce que c'est obligatoire. Oh non alors. En vrai ça me... Bon. Voilà quoi. Je suis un peu déçu un peu. Maintenant je vais pas activer d'effet moi, j'ai pas d'effet activé. Ah, t'as pas de force de miroir à activer hein, c'est ça? Bah c'est vrai que là je l'aurais pas activé si je l'avais eu. Voilà. Le commande PDJ has been added successfully. Waouh. Merci, hit my panning. Quoi? Alors attends. Hit my panning. Merci pour le follow. J'ai tellement de trucs à faire là. T'es pas prêt. Ouais. T'es pas prêt. Ah mais ça c'est les trucs que j'aime ça. Donc je vais invoquer... Mais comment ça? Est-ce qu'il va faire ce à quoi je pense? Yamero Ruler. Alors ça par contre c'est vrai que ça casse un peu les couilles. J'active, tu peux pas invoquer le monstre de niveau 7 ou plus au prochain tour. C'est vrai que bon, c'est pas mal quoi, là je suis un peu hors de moi là. Je ne sais pas quoi faire. Magical Beast Wolfram. Je ne sais pas trop quoi faire là. Quand l'excite dans Seven's Road. C'est moi ou ça fait un moment que t'as pas live sur l'or? Le dernier live sur Legends of Runeterra c'était dimanche. Donc ça fait 3 jours. Voilà. Donc calmez-vous avec les commandes PDJ là. Calmez-vous avec les commandes OFR. C'est le cercle de random. Ah oui, c'est level 4, c'est level 4 ou moins. Quoi pas... Oh, c'est tellement dommage. Pourquoi Aankara live si peu? Pourquoi Aankara live si peu? Parce qu'il a pas le temps. Voilà. En fait. C'est affreux à dire, ouais. Mais j'ai un boulot où j'ai des réunions quelquefois avec des collègues américains à 21 h, donc c'est un peu compliqué de live. C'est terrible. Voilà. Et moi, je voulais juste vous montrer cette carte Seven's Road Witch qui est très belle. Et c'est la fin pour moi. What? Très bien. Alors apparemment j'ai pas de monstre magicien pour activer ça. Je détruis ça. Mais ça me fume parce que moi à chaque fois je pop la mauvaise et lui. Et regarde, regarde ce qui va se passer. Poum. Et regarde. Ok. Requirement known. Bah ouais, je vois ça. Je peux pas activer l'effet. Ah si. Ah il fallait qu'il soit en attaque. J'active. What the fuck? Wow, 3100. bien plus fort qu'un Blue Eyes. Bon. C'est beaucoup quand même là. Bon. Je mélange mes cartes. Ensuite. J'attaque ici. C'est quoi ça, cette attaque là, monsieur? Et j'attaque... Est-ce que j'ai le létal là, je pense? Je sais pas, c'est pour ça que je fais ça. J'aimerais pas que t'aies le létal quoi. Bah j'étais à 1000. En fait, quelqu'un a une adresse que l'on pourrait acheter des produits Rush Duel. Oh, mais quelle merde. Sur Zen Market. Apparemment, ça marche bien là-bas. Bon, après, en période de confinement, les gars, même en déconfinement, en période de Covid, c'est chaud. Hein, pour commander du Japon. C'est assez random. J'en connais qui ont reçu leurs produits. J'en connais qui n'ont pas reçu leurs produits Rush Duel. Voilà. Réunion avec des Américains. Mais Aankara, c'est un Américain. Bon, par contre, t'as Seven's Road Witch. Est-ce que tu vas activer son effet un jour pour faire Seven's Road Magician? J'ai rien dans la main, moi je vais juste attaquer. Le cliché, ah oui, le cliché du businessman. Oui, je... bah, tant pis. Désolé. Ouch. Ah, j'avoue, je n'ai jamais. Qu'est-ce que j'ai en monstre fort un peu dans mon deck à part le Seven's Road Magician finalement? Mais du coup, c'est un deck guerrier que j'ai. Très bien. En vrai, faut que je rajoute cette carte là. Je vais devoir side. Moi aussi, j'ai sidé. Pourquoi Aankara, la voix d'Alain Delon? Ah, pas mal ça. On apprend tous les jours. Ah, mais j'ai trop de monstres en fait. C'est ici le souci. Est-ce que ça fait longtemps que le live est commencé? Depuis une bonne heure. Déjà. On s'aime beaucoup. Les Janto qui est en train de réfléchir tellement sur... Là, t'es vraiment pas prêt pour son side. Je suis en train de changer. J'ai changé 5 cartes. Oh là, son side. Attends, il connaît le match-up. Hein. Il connaît le match-up. Il étudie totalement, là. Il faut que j'enlève lui. Voilà, parfait. Il faut que j'enlève lui. Parfait. Modification side, terminée. Alors... J'invoque. Ah, mon side a bien marché, là. Hein. J'active. Je pose. J'ai même posé ça. J'invoque. J'invoque posé. Une phase. D'accord. Non, Jantoni a fait 39 cartes. Oui, de toute façon, c'était pas le même. De toute façon, oui, je suis allé fixe ça, parce que bon, effectivement. Mais attends, ça c'est quoi ça? Ah oui, non mais je connaissais pas son type, tiens, c'est rigolo son type. C'est un peu rigolo. Oh, Seven's Road Witch. Et est-ce que cette fois-ci c'est le Seven's Road Magician? Eh non, je n'ai pas la full combo. Malheureusement. Malheureusement. Oh non, il a la carte de side-hacking. Oh, il a Guitarna. Non, j'ai pas la carte de side-hacking. J'ai juste ça en fait. Ce n'est pas vraiment une carte de side-hacking. Alors attends. Oh. Yes, je vais bientôt pouvoir activer ma force de miroir là. Ouais, bientôt, ouais. Oh, ça c'est pas mal ce que j'ai ici. Ouais, il me manque certaines cartes par contre. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Ouais, c'est pas mal ça aussi, tu vois. Du coup, j'avais pas capté que Prima, c'était type psychique. Ouais. Je vois pas pourquoi ils l'ont foutu en psychique, mais écoute, pourquoi pas. En vrai les Mélodius, c'est quel type? T'as combien de magiciens? Mais 15 000, ouais, bon, en avoir. Même pas Mélodius, Yu-Gi-Oh, je parle. Bon. C'est type elf. Ouais. Je suis pas convaincu non plus par le type elf. Hein. Mais c'est parce qu'elle a des lunettes qui font psychique. D'accord. D'accord. Pas de soucis, monsieur. Pas de soucis pour les lunettes. Parfait. Yuga, c'est le nom du personnage principal, oui. Qui est en vrai, franchement... À part sa petite taille qui me dérange vraiment beaucoup, Pour moi, c'est un bon protagoniste. Qui utilise des bots pour avoir des likes sur sa vidéo, mais voilà quoi. Comme ça, tout mon youtubeur. Non mais ça, ça me fume trop. Yuga qui est un streamer. Et après, il a des bots. Il trace sa route comme ça. Hein. Il trace sa route. Il trace sa route. Bon là, par contre, il va falloir piocher là. Boum. Non mais j'ai que des monstres à 1006, ça me vénère. C'est pas super quoi. Alors je vais poser, j'invoque. Là, moi, c'est le défaut de mon deck magicien, c'est que j'ai pas mis de Blue Eyes, parce que je me suis dit non, on va jouer un deck fou magicien. Après, là, le Seven's Road, tu l'as, tu joues, tu défonces mon dragon quoi. MDR. Parce que t'as quand même pas mal d'attributs différents au cimetière. Moi, je connais un peu tes... Le jour où un archétype des bêtes divines, attributs divins, level 1, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Il va quand même faire ça en vrai. C'est quoi sa catchphrase? C'est genre, ça parle de... It's my road. Top deck. Si c'est la bonne. Ah, c'est pas la bonne. Oh. Mais non. Ah mais comment ça? Ah oui, non, il faut que j'envoie d'abord ça. Oh non, je dois t'envoyer toi pour invoquer toi. Samanzerodo Magician invoqué par la Samanzerodo Witch. J'ai dû invoquer enlever la Witch, quoi. Donc ça me vénère un peu. Oh là là, mais c'est terrible. J'avais déjà un type vent dans mon truc, mais oui. Tant pis. It's time to Kogeki. Tant pis. Vire-toi. Bah de toute façon t'avais ça, donc ça me fume en fait. Frère, je te jure, ça me fume en fait. À chaque fois je pop la mauvaise. Ça me. Mais en fait je suis juste trop fort en Rush Duel, c'est tout. C'est juste que tu poses tes cartes bien en fait. Ah bah dès qu'on peut pas brick avec 4 cartes... Ah ça va mieux quoi. Bam. Ouf. Moi je t'avoue qu'en backrow je n'ai jamais rien. C'est assez terrible. Alors, je vais te renvoyer magicien. Merci du follow, FK. Je vais renvoyer ça. Et ça. Ah non. Voilà, j'ai failli le poser. Kogeki. 2000. Ok. Et attaquer. Yes. Terminé. Ouais. C'est parfait, j'ai presque fini mon deck. Quel timing. C'est faux. Le Kogeki. Dès le prochain, Aankara. Bon, je vais me faire exploser. J'arrive. Non, contre Janto, donc ça va. Ah, oui. Je vais me faire exploser. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Est-ce que tu joues un deck avec Gaïa? Je joue des choses incroyables. Voilà. Par contre, avec pourquoi Max Raider. Un deck avec Max. Invocation activée. Oh. Bon, t'as beaucoup trop de magiciens, donc je suis vraiment pas trop confiant, mais... Vas-y, récupère ça et ça. Ah, mon deck qui bug. Attendez. Le ratio de win, c'est compliqué de le calculer. 3. Oh non, t'en as que 3. Comment ça? Yes. Voilà, et la seule fois où je peux l'activer, cette carte-là, évidemment, je n'ai plus de monstre dans ma... Mais ça me fume, en fait. C'est juste une malédiction, en fait. C'est tout. Force miroir, c'est trop fort. Hein. Oui, enfin, ça dépend de la chance des gens, quoi. Faut pas te mentir. Évidemment, il y en a, ils sont pas mal, voilà, quoi. Il y en a, ils ont pas de problème avec la chance, quoi. Dans le... sort, save. Yes, j'arrive. C'est parti. Dans le Rush Duel, il y a un Legend Monster. C'est... Enfin, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul officiel, qui est le dragon blanc aux yeux bleus. Mais, ils ont annoncé aussi le dragon noir aux yeux rouges. Alors, go, la room, yes, incroyable. Alors j'ai appelé mon deck sûrement nul. Parce que, bah, il est sûrement nul. On n'attend plus que Janto. Ah, ah c'est encore à moi de jouer là. Mais oui, monsieur. Alex en a marre de full win en fait. Ouais, j'étais en train de modifier mon deck. Il va falloir que je refasse un stream la semaine prochaine en Rush Duel pour affronter les abonnés puisqu'ils sont un petit peu plus forts, je pense. Attends. Ils ont peut-être un peu moins de chance les abonnés aussi. Je sais pas. Hein, Alors attends. Du coup je prends quoi? Est-ce que je prends aussi le deck level 1 pour le tester? Allez, on va faire ça. Vas-y. Moi je suis avec mon deck sûrement nul donc ça va très bien se passer. Voilà. Donc je vais continuer à faire 6. Voilà. Je débarque. Combien de temps en moyenne prend une partie? On va dire qu'en moyenne, il y a une dizaine de tours. Après, ce sont des tours qui sont rapides. Et... Ok. Bien. Toi, on a fait... en 1h15 de live, on a fait... Comment ça? Mais pose la carte, voilà. Crâne serviteur. Ça me fume. Pourquoi je le joue pas dans mon deck niveau 1 là? Donc du coup... Bah oui. On a fait 4 BO3 si je me trompe pas. Et je crois qu'il y a eu que des 2-0. Donc ouais, 8 duels en 1h15. Non, il y a eu un 2-1. Hein. Ok, bah 9 duels en 1h15. Faut que je m'en rappelle, mais peut-être. Qui sait? Les gens dans le chat ont bien suivi, donc ils seront... 30 ok, vas-y. Elle ne me servait pas. Mais comment ça? Mais ils jouent toutes les cartes, on ne joue pas? Si, elle sert, en fait, elle sert pour genre, imaginons que t'es... Ah, ça, c'est plutôt drôle ce qui s'est passé, par contre. Je m'y attendais pas. C'est plutôt drôle, en vrai. Je m'attendais pas à ça non plus. Donc, ouais, ça dure un petit peu plus longtemps que des speed duels. Ouais, parce que vu qu'on peut reprendre l'avantage à chaque tour, en fait... Okay. Des fois, ça peut même durer vachement longtemps. Une fois, j'ai fait un duel 20 minutes. Yes, c'était un master duel. Bon, il y avait la réflexion. Mais... Un petit level 1? Ah non, bah, c'est le level upper. Bah, c'est justement le one-up. C'est dommage. Ça me fait un peu yèche de l'invoquer comme ça toute seule, mais bon. Écoutez. Le slow duel. Là, on est bien parti. Ah, c'est incroyable que le rush duel soit... Plus lent que le speed duel. Speed est plus rapide que rush. J'avais pas l'impression d'avoir fait un deck aussi briqué quand même. Enfin, j'ai quand même mis 16 monstres en dessous du niveau 4 quoi. J'en ai vu 2. Ah. Mais je trouve que c'est... Ouais, quoique non, ça va, c'est un bon ratio. Ah, moi, quoique moi je mettrais la moitié du deck en monstre de niveau 156. Je sais pas, hein, moi je propose ça. Ouais, oh, upsetter, ah. Ah, c'est le setupper lui. Je confonds toujours les deux. Et moi pendant ce temps, je continue à voler mon deck. Oh, c'est le deck niveau 1, je reconnais. Le deck crâne serviteur. Oui, c'est le deck level 1, mais sauf que je viens de évidemment meuler la pire carte à meuler. Mais tranquille. Tout se passe extrêmement bien. Du coup, toi, dégage. Là, tu me mets de la carte sur laquelle je n'ai rien pour ça dans mon cimetière. Parfait. Ok. Bah, yes. Ah! Effectivement. J'ai vraiment bien... ah, oui. Un problème de pioche là actuellement. Effectivement, quand on pose Seven's Road Witch, effectivement. Ah, là c'est. Ah, nice. Comme ça, il ne pourra pas activer la force de miroir. Tu ferais tout là. Après je pense que oui, ceux qui aiment le speed duel vont, je pense, beaucoup aimer le rush aussi. Puisque je pense que le rush c'est une étape au-dessus du speed duel en termes de différenciation par rapport au master duel. Les gens qui jouent en speed, c'est parce qu'ils ne veulent pas jouer en master duel pour une bonne partie. Il y en a qui jouent au speed duel à côté du rush, mais ou au contraire. Voilà. Ok. Pourquoi tu joues ça dans le deck niveau 1? Parce que c'est drôle. Mais Janto il joue ça dans tous ses decks mais il ne l'a jamais activé. C'est parce qu'à chaque fois on me l'a détruit en fait. Et c'est vrai qu'en rush tu peux même pas chain de cartes à d'autres cartes. C'est vrai qu'on a oublié de préciser. De toute façon il faut qu'il déclare une attaque hein, de toute façon pour... Ah oui en plus. Donc... On donne... Ah oui effectivement, c'est pas mal. Là je peux l'activer. Encore. J'aime pas le Master Duel, surtout quand l'adversaire fait un tour de 10 minutes et encore t'es gentil pour finalement te dire cette negate tu joues plus. C'est un petit peu ça. Ah oui ça c'est vrai, c'était drôle cette carte là. Ok. C'est drôle mais j'en ai pas besoin maintenant. J'en aurais besoin plus tard. Ah. Est-ce qu'il pouvait l'activer? Je suis pas sûr. Non je peux pas parce que j'avais vu que j'avais trop plus tard. T'as que des magies pièges au cimetière, ça me fume. Aankara joue des Rush Duel, Speed Duel, Duel Links. Oui, mais apparemment le Rush Duel le même pas. Hein. Ah, mon cimetière, moi aussi là, parce qu'il m'intrigue un peu mon cimetière. Le TCG, c'est des FTK camouflés et les gens veulent encore y jouer. Ah, same, hein, j'ai pioché pas mal de magie et piège en fait, moi aussi. Hein. C'est vrai. Je les ai quasiment toutes en fait. Moi, le Master Duel, j'aime bien, mais. Quand on ne joue pas en compétitif c'est terrible. Oh, est-ce que t'as bien une carte bien naze? Genre, Drossa. Attends, comment ça? Ah oui, t'as remis des trucs dans mon cimetière, ok. Dans mon deck, ok. Comment ça tu veux le deck? Qui t'a permis? Ah, mais je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé en fait, mais j'ai pas vu que t'avais ce monstre là. Alors, il te reste combien de magiciens au cimetière? Oh bah c'est un grand serviteur pour le roi qui va bientôt. A skeletal ghost that is unstrong but can mean trouble in large number. Exactement en fait. Tu verras la méta rush duel. Je ferai pas de gros trucs sur le Rush Duel et je pense que personne n'en fera tant que ce sera pas en Europe en fait. Enfin, on continuera à y jouer, je pense tous, mais. Bah, en vrai, moi je pense faire de temps en temps, tu vois, un petit duo où je fais quelques duels. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on va pas vous faire énormément de contenu Rush pour vous dire, bah en fait, vous pouvez pas y jouer. Mais oui. Ah, c'est. Ou alors, faut y jouer, mais sur EDOPro. En tout cas, beau en car organisateur Rush Duel. Oui, la Scott Cup 2. Mais sur Rush Duel, voilà. Et ça serait drôle en vrai. Ça serait drôle de faire un tournoi Rush Duel. Après, en fait, le seul problème, c'est que pour l'instant on a que Dragon et Magicien. C'est toujours ça le problème depuis le début. J'en ai marre. Mais il faudra attendre une extension, puis après ce sera bon. Ouais. Bah la prochaine extension, ça a l'air d'être porté un petit peu. Enfin, le premier monstre révélé est une machine. Donc bon. Aankara, il y a combien d'abos? 10 000. Ouais, voilà. C'est Jantoni l'autre jour. Jantoni combien? 9997. Voilà. Il manque plus qu'un abonné par les 10K et il faut y aller. Hein. Bon alors qu'est-ce qui se passe? Ça veut se compris. Oh, je vais même pas passer au-dessus de 3000. Ah si quand même. Aïe aïe aïe, c'est très compliqué ce qui se passe ici. Regarde-le, regarde-le. Il va battre Blue Eyes, et non, parce que tu vas attaquer ça en fait. Attaque mon chat. T'as la seule fois où cette carte est vraiment utile quoi, ça me fume. Oui, non, ce pitch par contre il est trop fort. What the fuck? Oui voilà, un tournoi rush ça va être des miroirs. Hein. Ça peut être drôle. En vrai, non, après, si on l'organise quand j'ai 2000 abos, ça va prendre 3 ans, donc on a le temps. On a un an à 1300 abonnés, ça va monsieur. S'il vous plaît. Mais comment ça? Non, c'est juste pour me défausser des cartes dans la main en fait. Parce que là j'avais que des monstres de level 1 dans ma main, j'ai pioché 5 monstres level 1 dans ma main là donc c'était cool. Mais c'est là où cette carte sert justement. Mais il te reste plus que 14 cartes bordel dans ton deck. C'était quoi ta stratégie du deck? C'est mon scarabée en fait. Mon scarabée il arrive jamais. Frère. Alors là j'ai le scarabée frère, j'en ai des cartes level 1 dans mon... Dans mon cimetière maintenant. Bon, t'en as 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Plus ceux sur le terrain, quoi. Ouais, qui vont sacrifier, ouais. Aankara détruit ces monstres de niveau 1. Ah, ouais, Aankara aussi, il est à 13. Oh là là, Aankara qui a compris la technique. Il ne joue pas toutes ses cartes. Ou à mon avis parce qu'il peut pas toutes les jouer. Oui, en fait, je pourrais en jouer un peu plus, mais c'est pas vrai. Mais Scarabée qui ne veulent pas sortir. Je suis au fond. Oh oh. Je suis au fond, en fait, zéro Scarabée. Mais comment ça, tu défausses lui? Mais je suis obligé, de défausser lui. Il y a plus de monstres dans sa main. Je suis obligé de défausser lui. C'est tellement de la merde. Arrivé à un point au point de vie par contre, mais... Attends, peut-être j'ai un létal. Il faut que je compte. Mais jamais de la vie j'ai un létal en fait. 2000 Ah non, non, mais je parle avec autre chose en fait, mais jamais de la vie. 1400... Il faut un monstre à non, 2400. Non, j'ai pas. J'ai que dalle. J'ai même laissé la witch parce que j'en ai marre qu'il pioche des cartes. Volt est encore là. Je ne sais pas s'il écoute encore. Mais quelle vie. Comment ça, Aankara, petit-fils d'Alain Delon? Il parle de lui à la troisième personne. Carrément. Ah, moi d'ailleurs. Boum. Duro. Fire, golemeux. Moi, je veux en voir un qui perd à la meule. Ça va peut-être être moi. Attends, mais toi aussi t'as pris. Je ne perdrai pas à la meule. Je revais dans mon deck. Mais oui, surtout que Magicien c'est tellement strong, puisque genre il peut même renvoyer avec la force de miroir. Oui, j'avoue. Le tag duel, je crois que je suis le seul à détester ce type de duel. Faut qu'on fasse un live tag duel aussi à un moment. Effectivement. Faut qu'on fasse ça. Regardez, je vais gagner au stall. Tu joues pas. Je peux pas mal. Bah, il peut attaquer quand même, donc. Monsieur. Et il veut juste invoquer le Beetle qui est de niveau 6. Un tournoi tag duel. Calmez-vous. Voilà. Et voilà. Ah bah yes, c'est trop bien. Et hop. Il a toujours pas le scarabée. Ah si, il est là. Hop, j'envoie la première carte, mais c'est tout, ça sert à rien. Juste pour voir à combien il monte, 2800, voilà. Mais bon, de toute façon, je pense que tu gagnes à nul. Parce que de toute façon, je peux attaquer qu'avec... Non, tu peux attaquer avec le Blue Eyes. Je peux attaquer avec les deux, en fait, ouais. Donc, en fait, je peux très bien faire ça, force miroir. Oh non, mais forcément, mais je te jure, forcément. Obligé, en fait. Je la droite, j'en peux pas une seule, j'en ai... Obligé. C'est juste, en fait, j'aurais perdu tous mes duels à cause de cette unique carte. Oh, elle est trop forte, en fait, dans le format. C'est tout. Mais il y a des cartes anti-magie piège, hein. Ouais, bah je les ai toutes utilisées en fait. Non, je crois. Attends, ouais, c'est parce qu'on n'arrête pas de bait. Potentiellement se passer un truc incroyable sur ce tour. Je dis ça. Je dirais. Alors. Bah ouais, il y a ça en fait. Alors, monsieur, vous pouvez en invoquer deux, c'est interdit en fait. Ça, c'est interdit par contre, monsieur, d'en invoquer deux. Oula, monsieur! C'est beaucoup de Samanzerodo. Samanzerodo. C'est sa route, oui. Il y a eu du move, oui. Alors, vu que j'ai un peu peur, voilà. Vas-y, tu peux. Et c'était one up. Ah, c'est désolé. Regardez ça. Qui a dit qu'on pouvait pas faire des TK à 8000 en rush duel? Oh là 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 là. Voilà. Allez, tout de suite quand je build le deck, hein. Allô? Non, c'est faux. Waouh. Oh. Le pire, c'est que ça a fait ce que je voulais que le deck fasse. Par contre, je me suis rendu compte que j'avais laissé les monstres... Tu sais les cartes qui réinvoquent des monstres de niveau 1 normaux, là. J'en ai pas dans mon deck, donc je sais pas vraiment ce que ça fait. En fait, je les avais mises, et après je me suis dit, non, c'est nul, puis je les ai laissées. Donc, c'est pas fou. Mais après, ça me... chaque fois. Oh, t'es 14-7. Mais c'est quoi c'est? Il faut setup hein, les OTK hein, dans ce jeu. Ah bah... Là c'est du bon setup, il te restait plus que 10 cartes dans ton deck. C'est l'aventure dans le jeu. Non mais ouais, il y a trop d'insolence par ici. Hein. Je choisis délibérément dans les premiers. Je propose Blue Eyes, fin de tour. Et alors? Putain... Salut les gars. Donc oui, ça faisait longtemps. Ça... Et voilà. Allez. C'est quand le prochain live avec le défi sport? Est-ce que je vais faire le défi sport pendant le tournoi de ce week-end? Ah oui, oui, oui. Mais il faudrait qu'il y ait une logique. Qu'est-ce que je pourrais faire? Genre, tu dois faire un pari sur qui va gagner chaque duel. Tu perds, tu fais des pompes. Ouais, c'est bon. Déjà, les follow, c'est déjà assez. Les subs, c'est déjà assez. Les points de chaîne, c'est déjà assez. Ouais, calme-toi. Kuriboh, toi. En fait, ça, c'est juste une stratégie de tempo. Genre, je réinvoque des trucs en défense. C'est tout. C'est pas mal. Même en rush duel, je réfléchis d'une manière stall. Tu vois, c'est à quel point je suis insupportable. C'est... yes. Yes. C'est ma foi très intéressante. Alors faut savoir que mon deck n'est pas censé faire ça. Là, j'ai juste la pire main. Mais en fait, tu me bloques. Genre, moi, j'ai envie d'être agressif, tu vois. J'ai envie de faire des trucs. Allez, fais ton Yamero Ruler. Yamero Ruler. Ah, encore à lever là. Quel avenir pour les speed duels? Du burn. Du burn. Du suicide. En vrai, j'ai un deck que je pense Désespoir des Ténèbres qui peut être extrêmement intéressant avec les nouvelles cartes qu'ils ont données. Parce qu'ils m'ont donné, le truc que le deck n'avait plus, de la pioche. Mec, par contre, Invitation des Ténèbres, en speed, ça, c'est marrant. Okay, hein. Quand même très beau, sur Duel Links, on n'a pas ça, quoi. C'est là que tu vois que ceux qui gèrent le speed duel, ils sont là. Bon, en même temps, ils t'ont sorti des basiques, je te sors des travanes instant, alors que nous on a eu au bout de plus d'un an de jeu, enfin voilà, alors, oui. Batte les couilles en fait. Non mais il y a plein de cartes, tu te dis, on n'a même pas ça sur Duel Links, c'est normal puisque c'est trop fort. Même sur Duel Links aujourd'hui, ce serait fort l'Invitation des Ténèbres, mais ils mettent ça, pour speed duel, puis ils s'en battent les couilles en fait. C'est bon, allez, tiens, tenez, invitation. Par contre, ça se comprend. J'ai mis Dragon Blanc sur le terrain depuis le début, je suis en mode, bah je peux pas jouer. Et bah voilà, Chanto, quand tu veux. Bah après là je pense que très clairement mon backrow allait pas survivre. Bon, après on peut pas le voir. Mais regardez-le. J'aurais pu booster le dragon blanc aussi, ça aurait été incroyable. Ouais. Le deck niveau 1 mais il est tout strong en fait. Tout strong sauf quand tu auras... Sauf quand il y aura la magie, la piège plutôt. Non. Okay. Ah, il y a zéro. Ok, d'accord. D'accord. Par contre, pourquoi ça reste pas jusqu'à la fin du tour adverse, le scarabée stop aussi là? Je voudrais équilibrer pour qu'il puisse retourner la situation, pour que ce soit plus drôle. Mais déjà, t'es capable de battre un Blue Eyes, donc t'es capable de battre un scarabée. C'est à quel point je ne peux littéralement rien faire sur son dragon blanc. C'est-à-dire que je ne peux pas invoquer de monstre. Ouais. Je peux pas. Je suis obligé de faire ça. C'est vraiment mon meilleur play. C'est plutôt triste. Après, je me demande qui a vu le deck, quoi. Sinon, j'ai peut-être arrêté. Ah non, t'es qu'à 8000, là. Bon, allez, on va pas le faire ce tour-ci, quand même, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Il a un petit peu de pitié. Je suis vraiment désolé, le chat, de ce que vous êtes en train de voir, c'est... Salut, Fortnite. Mais il y a que des upsetters et des setuppers, là, que je vois, là. Rien faire. Il peut même pas... Du coup, il pourrait même pas les réinvoquer. Tu sais qu'à force de miroir ne marche pas avec les dragons. Regarde, il y a un magicien pour le moment de 3, 4. Ah oui, il a eu tous les set-uppers. Tous les set-uppers sont au cimetière. Oui, j'ai trop sur mes 2 premiers tours, j'ai trop mes 3 set-uppers et mes 3 Kuriboh. Ça fait pas plaisir. Oh non alors. Ou du cauchemar Golem de l'As, il me donne envie de me mettre au speed duel, tout ça. Oh boy. Oh. Ouais. C'est marrant. Regardez la Seven's Road Witch qui fait tellement de plays là. Déjà activé son effet 3 fois. C'est très bien que tu vas avoir ta vie. Je ne pas pouvoir chain des cartes. J'aurais bien voulu chain de trucs, mais. Ouais. Tape mon scarabée un peu là. Voilà. Bah non, le scarabée. Les 2 scarabées vont être morts, mais au moins je te mets des dégâts. Et du coup, j'envoie ça. Ça, j'en ai plus rien à foutre de ça. Un assis du Kuriboh. Nique le Kuriboh. Tout ça pour faire 200 points de dégâts. Est-ce que ce serait pas le BN là? J'en ai rien à foutre. Tu en train de Oh, quand tu vas te prendre la force des miroirs, ça va être encore plus épique. Bah là, là c'est maintenant. C'est tout de suite, hein. C'est tout de suite, hein, même. C'est comme ça. Non, non, ce n'est pas une main que j'ai, hein. C'est un... Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Oh, monsieur. Et je ne peux rien faire de nouveau. Par contre, j'ai déjà plus que 16 cartes dans mon deck. Ah, moi, c'est ma petite victoire. Ça suit un peu du front. Alors, on va après, t'as des upsetters... du coup, oh, Seven's Road. Oh non, alors. Ah, Yamero Ruler. Oh non, mon scarabée. Maintenant, j'ai plus de scarabée. Oh, vous savez quoi, je vais acheter un... Ah, oh, ça me fume ce que j'ai pioché, c'est de la merde. Je vais acheter un stream deck. Juste pour mettre les... la sandbox avec Yamero Ruler. J'ai tellement envie de faire ça. On a un bon deck dino. Tu te rends compte? Moi je suis pas sûr que le deck dino sera une priorité. Moi je vois bien les deux prochains decks à avoir du bon support, c'est une machine guerrier. Je pense. Ça peut être bien. Oh. Mais le problème, c'est qu'un jour, il l'aura forcément, ça piège, là. Bon, c'est un petit problème pour moi, quand même. Mais non, j'ai même pas de stream deck, je suis un amateur. Mais j'en doute. Moi, j'ai pas de stream deck. Je peux vous mettre des sons à tout moment. Ouais, j'entends. On a entendu ça. Qui est le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici? Nul. Incroyable. Ah bah... C'est marrant ce qui s'est passé là, je... Oula. Oh, vous voulez... Wow, 4600. Et là mec, tu fais des dégâts perçants, tu me battais. Non, quand même pas. Bon. Rip le monsieur. Ah mais du coup je peux quand même invoquer mon petit monstre. Ah oui, même quand c'est pas un monstre level 1 qui se fait destroy. La tortue, ah ouais. Bah, it honor and reminisces about the good times of days gone past. Ah the good. C'est quoi cette description? Je vais regarder. Ah c'est compliqué ça. Ah. Je vais me faire battre avec. Biche, la chenille. Oh. Aïe aïe aïe. Seven's Road. C'est ma route, oui. Mais il a sacrifié les deux. Mais j'en ai rien à foutre de tes mythes, là. Je veux juste gagner, en fait. La chenille. Voilà. Ah. Et du coup, c'est... Je crois que c'est le... C'est pas le premier duel où il faut du 1-1. Genre... Apparemment, selon Jantoni, il y en a eu un autre, mais... Je sais pas. Je sais plus. En tout cas, du coup, il peut monter à 3006 au max, du coup. Parce que je crois que j'avais tous les attributs dans mon cimetière, ouais, quand même. Imagine. Et ouais. La fameuse chenille. Non mais c'est... Ouais. Il va y avoir des révisions à faire sur ce deck. Genre enlever la piège qui peut pas s'activer. Ce sera pas mal. Il y en a qui jouent en rush la carte qui dit que si une de tes cartes est détruite, tu détruis une carte sur le terrain. Enfin... Rafale. C'est quoi ce... Rafale Yu-Gi-Oh. Attends, je te lis les faits. Gust. Dit comme ça, ça m'a l'air assez... Ah oui, alors, you can activate cette carte... Attends, il faut que je le fasse en rush. Je pouvais pas lire en rush. Donc si une de tes cartes magie est détruite et envoyée au cimetière par un effet de carte adverse, tu détruis une magie ou piège sur le terrain. Donc en soi, tu mets ça pour le bait. Ah. Oh. Ah oui, Captain Flash, t'arrives à la fin, là. C'est beau ce bordel. Nous égaux ce bordel là. Pendant le meilleur duel en plus, on va poser que des monstres. J'avoue que... J'avais vu autant de cartes posées sur un... Yamero. Allez, tu voulais faire des sacrifices? T'en feras pas. Bah non, c'est pour ça que je posais des monstres depuis tout à l'heure. Parce que j'ai rien d'autre. Ah oui, c'est... Ah, mais y a pas... Ok. Putain, mais y a pas un moment où... C'est grave, j'ai mon Yamero. Il y en a qui font des clips de Sevens. Il y en a un, c'est le clip où Yuga fait un auto... Enfin, fait le bot pour liker automatiquement sur YouTube. Mmh. Ah oui, effectivement... En phase. Ce genre de main, quoi. Voilà, de toute façon, mon terrain est bloqué. Ça fait plaisir, toi bientôt aussi. Ouais, non, c'est pas bientôt, c'est maintenant. Moi, je suis en mode gagner meule. Attendez, attendez. Bon, vous allez pas l'entendre, malheureusement, mais... C'est vraiment le meilleur son. Yamero Ruler. Ah, il me le faut tellement. Je peux même pas passer ma tortue grâce à Hans. Quoi Seven, ça a l'air d'être plus une source de mème qu'un bon animé. Mais en vrai, moi... C'est un des contrôles là que je joue. Pour moi, Seven, c'est genre le Konosuba de Yu-Gi-Oh. C'est-à-dire que ça se fout de la gueule de Yu-Gi-Oh. Moi aussi, je tôle un peu là. On est marre. Je pense ça. Et regardez, du coup, j'ai plus que 5 cartes dans ma main. Trop bien. Franchement, ça, c'est la carte qui a la meilleure description. Hein. Ah, The Good Old Days. C'est vraiment la meilleure tortue, quoi. La putain de tortue. Une déconstruction des 6 saisons. C'est comme dans le deuxième épisode où, genre, y a la porte. Et pour devenir le roi du duel, il faut traverser cette porte. Et ça ressemble un petit peu à la porte que Yami, enfin, que Atem prend à la fin de la saison, enfin à la fin de Duel Monster. Du coup, Rook, il est là. Ok, je vais devenir le roi des duels. Mais genre hyper sérieux. Et quand il rentre dans la porte, bah en fait c'est un hologramme. Du coup, il se casse la gueule. Et ça, c'est trop drôle. Ouh. Tu me parles de porte, je pense plutôt à Zeal. Ah, mais c'est pas la même porte. La porte de Zeal, elle est beaucoup plus grosse. Ouais. Oui, quand même. Zexal en a une plus grosse, quoi. C'est là où la place se révèle être incroyable. Mais quoi? Comme ça, je peux enlever une carte de merde et je fais moins 1600. Comment ça, moins 1600? Moins 1600. Attends, the level of the attacking monster to your opponent. Ah oui, c'est le monstre attaquant, je croyais que c'était le monstre défaussé qui faisait les dégâts. Ça me dit que je peux attaquer directement, mais comment je dis que je vais attaquer directement là? Parce que t'as activé un effet, non? Oui, il y a écrit. Ah oui, oui. Non mais je veux dire, je ne vois pas sur l'écran où dire que je veux attaquer directement. En vrai, quand tu cliques sur la carte, yes. Ça... Non, non, moi ça m'a dit attaque. Il n'y avait pas attaque direct. Carte bloquée. T'as activé son effet là, parce qu'en fait, l'effet que t'as activé, toi, c'est l'effet du... De ta Wayne. Ah oui, non, j'ai rien dit, c'est normal, ouais, c'est bon, c'était... Oui, non, je voulais pas l'activer. Je suis trop fort. Oui, c'est bombe noire. Tout se trompe. Bon, ça y est, les deux tours de Yamero Ruler sont enfin terminés, tu peux jouer aux jeux vidéo. C'est à peu près ça, quoi. J'en ai deux. Depuis 2 tours, Jantoni, est-ce que je pourrais jouer à Yu-Gi-Oh, s'il vous plaît? Moi, je voulais juste faire ça, moi. C'est tout, quoi. À partir d'un moment, me bête. J'ai combien de... Il y a combien de magiciens à son cimetière? Il en a 3. T'es safe. Pour le moment. MDR, vraiment. Sachant que de toute façon... Ah, ça, c'est un guerrier, ça. C'est problématique un peu. J'invoque le crâne serviteur. Au revoir, mais... crâne serviteur. J'entends, on dirait trop qu'il BM en fait, à chaque fois qu'il invoque ses chenilles, ses crânes serviteurs là. Mais quoi? Mais j'ai envoyé. Ça t'apprendra un BM. Du coup, j'ai pile 2400. Pas mal, hein? Pas mal, hein? Toi d'abord? Bon, toi, je vais quand même t'enlever parce que tu peux attaquer directement avec. C'est chiant, quoi. Ouais. Imagine 500 par 500, il te tue. Enfin non, il donne l'attaque directe à un autre monstre, donc ouais, 2500. Un monstre à... Non, non, il peut pas attaquer avec son monstre à 2500 parce que c'est un monstre level 4 ou... Il s'y fait avoir la position Rush Duel à Japan Expo, MD1. Quel moment. La bonne place, vraiment. J'ai hâte, hein, vraiment. Ce qui est bien avec Aankara, c'est qu'il joue cette carte qui te... Du coup, tu t'en fous de ses forces de miroir, il pourra pas les activer. Mais t'inquiète, il a tout prévu. Ah ouais, il va tout redéfoncer là, il va activer ses 3 maillets pour détruire les magies pièges. Il faut bien choisir la carte quoi. Et non, ce n'est pas la bonne. Il a bien choisi quoi. Non, c'est pas trop, je trouve. J'avais parlé de la 2020. Bah ouais. La prochaine, ça sera en 2022, hein, parce qu'ils vont même reporter celle de 2021. Ouais, 2021, je sais pas, c'est peut-être possible. Je sais pas. Non, je pense qu'ils vont, garder quand même, parce qu'ils pourront pas faire annuler 2 fois de suite quand même. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont en mode oh, on va tout annuler en 2021 aussi. Oh, je pense que qu'il y aura encore des trucs annulés début 2021, mais de mi-2021, je pense que ça peut encore aller quoi. Ouh, ça fait beaucoup trop de dégâts, monsieur. Beaucoup, mais ouais, ça ne peut pas passer le Blue Eyes. Et non. Et non, et non. Et du coup... Oh, bah du coup, j'ai juste détruit ça. Ah, ah. Oh, oh. Bon, c'est dommage. Le Tiny Dragon. Oh, this small but deadly creature is better avoid it. Et je suis entièrement d'accord. Je suis à peu près là. Non. Une conf d'avril et une autre de juin sont reportées en octobre. De cette année. Si tu tapes les... non. Ah, ça m'arrive que je puisse le faire alors. C'est incroyable ça. Ah bah oui, il y a une carte. Mais oui, on a vu que ça marchait ça. Non mais j'avais oublié qu'il y avait une carte avec laquelle ça pouvait marcher. Mais sauf que Spyro, c'est que le truc c'est que tu peux... J'aurais même pu faire le Fiandish. Ils reportent parce que ils veulent se dire ah, peut-être qu'on pourra encore faire une convention en fin d'année, mais non en fait, c'est possible que ce soit encore annulé et que ce soit encore reporté l'année prochaine. Pour moi les conventions même en fin d'année, c'est vraiment tendu hein. Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, ouais. C'est tendu tout ça. Hein. 2020 ça va être compliqué ouais. Et, oh non alors pour certains, le vaccin c'est fin 2021, donc... voilà. Même sans la Seven's Road Witch. Ah oh bah pff, en fait tu l'as repioché d'accord, yes. Ah mais t'avais pas moyen de faire son en, fait, je voulais le faire dans cet ordre pour pouvoir me défausser le plus de cartes possible. Dans l'autre ordre, je garde 2 cartes en main, j'en garde une. Donc j'ai de toute façon pas l'étal. Attention, attention, est-ce que Janto va faire le comeback? Va pouvoir passer sa Seven's Road Witch? Il va juste, draw son autre Seven's Road et puis voilà. Yes. Il va invoquer le Beetle. 2, Seven's Road. Oh, Seven's Road. Je pense que pas largement assez là. Ça qu'on se le dise. Et du coup je mets sur mon crâne, non. Ouais, il gagne 1100 le crâne serviteur de 1400 quoi, c'est très fort. Je le savais en plus que j'aurais dû l'invoquer en défense la foutu Witcher, mais je me suis dit non pour le beau jeu. Je dis faire comme dans la nuée, int. Nice. Comment ça? Ah, duel terminé, je me suis dit attends, on n'est pas en BO5, calmez-vous, monsieur. Oui, là, voilà, on est en vrai finale en fait. Allez hop, allez on se fait un dernier BO3. Hop. J'envoie encore l'invitation. J'arrive. Enfin, je sais pas, c'est à qui, je sais plus. Je sais pas, hein, c'est lui qui veut. Moi, l'aise. Ok, j'arrive. Moi, je fais un détail de bonhomme là. Je vais jouer à Rakai. Mais c'est un autre format du coup. Le deck Rakai. Le deck Rakai en CCG, c'est parti. Donc je t'attends. Ah, pardon. C'est à ton tour de te faire soulever encore. Ah, ah ça. Quel plaisir. Alors, tu as envoyé l'invitation sur Discord, oui. Ah mais j'ai un deck. Après, mon deck tient ses promesses. Je l'avais appelé sûrement nul. C'est nul. C'est parfait. Il commence à jouer. Yes. Yes. J'ai ce qu'il faut là, là j'ai bon deck. Trop bien. C'est un tout. J'ai pas l'impression pourtant d'avoir trop de monstres à sacrifice ou pas assez de monstres. Mais peut-être que j'ai pas assez de monstres normaux en vrai. Enfin de monstres. T'as pas de monstre à 1200 dans ce format, je crois. 1600, là. Moi j'optimise, hein. J'optimise les dégâts. Moi j'optimise mes briques. À chaque tueur il est là, je brique. Non mais enfin... Il y a quand même, je pense, une exagération là. Légère, mais je pense qu'elle est là. Niveau brique. Parce que je veux bien ne pas avoir 20 monstres en sacrifice, mais j'en ai genre pas 3 quoi. Battle Vase. J'ai rien de mieux. Hein. Oh, t'inquiète, je sais pas si je pouvais changer ton monstre qui était face down. Je pense que oui, en vrai. J'aurais pu le changer. Faire un petit peu plus de dégâts. Tu n'avais pas peur des effets flip? Le dragon inférieur, c'est une très bonne carte. Non, bon, là je pense que c'est une blague. Je n'ai drôle. Genre, j'ai 8 monstres au-dessus du niveau 4. J'en ai 5 en main là. Donc, voilà. Pas mal. Voilà, là, je pense quand même que je suis en train de battre des records. Hein. Je pense honnêtement que je suis en train de battre des records. Boum. Je pense que là, c'est un certain niveau quand même. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas jouer. Tu vas piocher une carte et t'auras pas de prochain tour. Voilà, non mais après, voilà quoi. Je veux dire, je suis là pour montrer que les Rush Duel c'est fun. Et il y en a qui font des techs nuls qui briquent. Non mais attends, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8 monstres au-dessus du niveau. Prends un screen, j'ai oublié, désolé. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 monstres normaux. Enfin, en dessous de niveau 4. Ou niveau 4. J'ai 8 monstres à sacrifice. Et j'ai des mains comme ça. Bon bah. Alors... Au secours. Au secours. C'est ce que je suis en train de me dire actuellement, mais bon. Virez-les tous, c'est comme ça, c'est bon. Mais je dois... C'est trop de mime. Genre, c'est important quand même. Non, t'inquiète. Alors, pour te dire à quel point c'est une blague. Hein. Voilà. Wow. Mais non. Attends, dragon inférieur, ça peut faire une fusion pour faire dragon métallique. Punaise, on aura dragon métallique à la prochaine extension. Je joue 13 magies. Tu peux pas virer genre une autre magie que celle-là. Ah non, les autres sont mieux. What the fuck, les autres sont mieux, c'est la meilleure carte du format celle-là, avec la force noire. J'ai hâte de voir. J'ai hâte, hein. Je vais me prendre 5000, trop bien. Non, t'inquiète, tu peux pas attaquer deux fois si t'as pas de monstre, y'a pas de soucis. Ouais, tu vas prendre plus 4000, ça va. Et voilà. Non, je pouvais pas attaquer deux fois, je sais juste pas compter après, c'est tout, c'est... Voilà. C'est bien, regarde, là j'ai pas trop de monstres. Ah si, ils sont là. C'est passé à rien hein, du jeu, donc pas de monstre là. On va passer... Quoi ah, je te jure, c'est passé à rien. Oh mais mec, là ouais. Arrête de ruiner la réputation du Rush Duel avec tes duels là. Non mais c'est juste que... Avec ton vieux deck. Il y a un adversaire, je sais pas moi, je trouve il y a un intrus ce soir. Il y a un adversaire contre qui on a fait que les duels de merde. Je sais pas, c'est toujours le même. Genre, après, il y en a qui apparemment construisent mal leur deck et du coup ils se font critiquer. Ah non, mais je pense qu'il y en a qui trichent un peu quoi. Pas te mentir. Mince, j'ai oublié. Attendez. Voilà. Yamero Ruler. Bon, du coup, Aankara là, c'est quoi ce bordel? C'était mon couplet. Hein. Si tu peux passer ça, merde. Voilà. Bah, c'est intéressant. Après, tu peux pas te faire de gros monstres. J'ai un petit espoir. What the fuck? Ah merde, j'avais oublié qu'il y avait le... Tu fais l'animation et tout, mais... Par contre... Aïe, aïe, aïe. Président, meilleur perso, vraiment, oui. Oui. Absolument. Pour le moment, pour le début de l'anime. Non, quoique, moi, je préfère le robot drone de Yuga, je préfère. C'est comme le meilleur perso pour le moment, ouais. Moi, je suis comme le robot drone de Yuga. Je suis un fanboy de Romin. Ah. T'es con. Aïe. Et donc, voilà. Un fanboy de Petit à lunettes, du coup, de mon dernier épisode. D'accord, je vois. Ah. Le bot qui était là. Une fille à lunettes. En fait, voilà. Le bot, c'est un oui. Après, c'est bien parce qu'on ne devait pas dépasser 22h30. Hop là. C'est parfait. Ah, mais tu me déçois, Aankara, là. Oh. Là en fait, le pire, c'est que je regarde mon deck et je suis en mode, je peux pas faire ça avec. Genre. Ah, ça me dégoûte. Ah, bah. Est-ce qu'il y a des gens qui. Ouais, j'avoue, est-ce qu'il y a des gens qui jouent en rush? Restriction, rush duel, montrez tout. Ouais. Il y a quelqu'un. Regarde. Ah merde, non. Regardez des gens qui jouent. Pokémasterland contre l'eau tier for life. Ah mais j'ai envie de voir à quoi ils jouent. Bah, ah là mais c'est les meilleurs decks en plus. Bah, c'est dragon contre magicien. Ouais, s'il vous plaît là, je veux regarder son cimetière en fait. Ah par contre j'avoue ça c'est chiant, il y a une option je crois pour ça. Paramètres. Et bah non. Et bah c'est la fin du duel, bien joué. Plus de paramètres. Bien joué, maintenant ils sont en train de side. Donc du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié ce live. En tout cas, bon, c'est toujours un réel plaisir de faire du rush, puisque franchement, c'est drôle. Après, pas à jouer tous les jours, puisque c'est limité, hein, toujours les mêmes decks. Oui, Aankara ? Moi, là, j'avoue que mon appréciation du rush duel est pas... bon, ah, voilà, enfin... Ouais, bon après, y en a qui savent faire des decks sur Duel Links, mais en Rush Duel, ça ne sait pas faire, quoi. Donc, ah non, ça c'est pas... Moi, je dis ça, hein, voilà. Je sais pas qui sait pas, je sais pas si c'est le deck ou c'est moi, mais il y en a un des deux qui sait pas ce qu'il veut, là, c'est... Bon, et du coup, bah, moi, perso, j'essaierai quand même... je sais pas pourquoi il y a un veuillez patienter en haut, là. Moi j'essaierai de vous sortir, je sais pas, une petite vidéo Rush Duel de temps en temps, on se refera sûrement un live Rush Duel comme aujourd'hui, mais quand il y aura plus de cartes, quand ils commenceront à annoncer les cartes, puisque la prochaine extension, j'ai un doute sur la date, puisqu'en plus elle a été repoussée, ça va être mi-juillet qu'elle va sortir, donc j'imagine que début juin on aura des premières annonces de nouvelles cartes, donc on pourra les utiliser, donc peut-être nouveau live... à plusieurs, je sais pas, hein, fin juin, quand on aura de nouvelles cartes. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner aux chaînes de Jantoni et de Aankara. Hop, je vous mets les liens dans la description. Hop, dans la description. Dans la description sur YouTube, ou dans le chat, sur Twitch. On s'en fiche de l'OFR. Ouais, mais participez au tournoi. Prince des jeux. Mais c'est quoi cette méchanceté gratuite. Et voilà. Du coup, est-ce que vous avez apprécié? À part Aankara, toi j'ai même pas envie de connaître ton avis en fait. Non, mais moi je mets des liens du prince des jeux dans le chat, fait genre je suis pas là, voilà, hop. Oh, il y avait même une commande, je m'en fous, je l'ai mis quand même. Bref. Non mais en vrai, moi je suis déçu plus pour le stream qu'autre chose, parce que le rush duel, franchement, je trouve ça trop bien. Moi j'adore le côté retournement, comme tu l'as dit, j'adore le côté retournement de situation. Genre à chaque duel, à chaque tour, si tu briques pas, bonjour. Tu peux revenir, tu peux retourner le terrain adverse, et ça c'est trop sympa, parce que même en speed, même en Duel Links maintenant, et en master encore plus, il y a des moments où juste tu vois le board adverse, t'es en mode ok. Tour 1, alors, cette négative, yes. Logiquement, parce que même les pièges et les magies qu'on a actuellement, il n'y a pas des trucs ultra puissants en mode ah, dégage, à part bon la force de miroir, mais la force de miroir tu la vois arriver. Ouais, après la force de miroir... Bon, il y a Janto qui en fait toute une histoire. Mais en vrai, il y a de quoi là... Enfin, après, il faut du side. Si tu joues contre magicien, tu joues la fée qui renvoie les monstres dans le deck. Et voilà. Et après, bon, c'est comme contre n'importe quel deck pour l'instant en rush duel, tu joues de l'anti-backrow et t'espères tomber dessus, quoi. Le problème, c'est que tu joues toutes tes cartes magie piège face cachée, donc c'est un petit peu au pif, quoi. Oui c'est ça, et puis en fait le seul truc c'est que pour l'instant dans le rush duel t'as quand même du mal à poser un monstre et te dire c'est bon il va résister pendant un tour. Généralement ton monstre, quasiment tout le temps, il y a toujours se faire péter le tour d'après. Donc tu peux pas te dire, ok, je pose tous mes monstres, j'attends avant de piocher mes anti-pacros pour les prochains tours, et après je pourrais te taper en toute sécurité, parce que si tu te tapes pas, de toute façon ton monstre est mort. Donc t'es un peu obligé de taper, finalement. Pour le moment en tout cas. Ouais, comme le dit Captain Flash, à chaque tour tu es en flip, et c'est là que tout l'intérêt, c'est le frisson, tu vois, t'es jamais sûr de ce que t'as sur ton terrain. Enfin, tu sais pas ce que ton adversaire va te sortir, puisqu'il pioche 5 nouvelles cartes, il peut retourner la situation, et c'est ça qui est marrant. Dans les autres formats, t'as peur du back-row adverse, en Rush Duel t'as peur du back-row adverse, plus bah, de ce qu'il peut te sortir durant son tour, puisqu'il peut repiocher 5 cartes, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. C'est ça qui est excitant. Ouais, on aime être excité ici. Et voilà. Le un peu, hein. Voilà, l'excitant duel. Donc du coup, voilà, on va se laisser là pour ce soir. Comme je vous l'ai dit, j'espère que vous aurez apprécié ce live. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde, bonne soirée. Salut.